T'as vu qui? Moi. Comment ça se fait? Non mais. Non mais il m'entend même, c'est bon. Comment ça il capte? Joe, tu me captes là? T'as dit quoi? Mais y'a tout qui est branché là. Il faut que je quoi? Tu sors de quoi? Avec la caméra. Moi je comprends rien, mais je comprends pas. Avec la caméra, il pleut, vas-y. Ouais. Ah là, mais je l'ai éteint. Ah mais je l'ai éteint là. Je l'ai éteint. Bah non, c'est bon. Attends, on te vestir. Ça chauffe, hein. Stéphane, t'as besoin de moi en avant-match ou pas? Ouais, c'est bon.
c'est à toi. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue sur les antennes de FFF TV pour suivre dans un quart d'heure maintenant le coup d'envoi de ce match des quarts de finale de la Coupe Gambardella Crédit Agricole, match qui va opposer l'AS Nancy-Lorraine au FC Metz, le traditionnel derby lorrain qui a fait couler beaucoup d'encre dans la semaine. Mais c'est l'un des quatre matchs proposés dans le cadre de ce dispositif, dont quatre d'ailleurs concernent des clubs du Grand Est. À toi. Voilà les affiches, les matchs qui concernent l'ensemble des équipes avec ce dispositif mis en place par FFF TV. Depuis 14h a démarré le match entre l'Estac 3 et le Toulouse Football Club. 3 qui mène pour l'instant 2-0 et 3 qui sera l'adversaire, le prochain adversaire du vainqueur de ce match ici entre Nancy et Metz. Mais vous avez la possibilité également à 15h de ripper sur les matchs entre le Stade de Reims et le Stade Brestois ou entre l'affiche de ces quarts de finale entre Rennes et Marseille. Retour ici au Stade Marcel Picot dans ce contexte de l'ancien club professionnel qu'est Nancy pour commenter. Attention à Carlo. À mes côtés, Kevin Gatica. Bonjour Kevin. Bonjour Stéphane. Kevin qui est l'entraîneur des U19 Pagnotin. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, Pagnotin, ce sont les habitants de Pagny-sur-Moselle, commune qui est située, Kevin, exactement, on va dire à mi-distance entre Nancy et Metz. À peu près, ouais. Voilà, et que globalement, il y a moitié de supporters de Metz, moitié de supporters de Nancy. Avant tout, Kevin, cette rivalité historique entre Nancy et Metz, on la voit un petit peu derrière nous avec les tribunes qui sont un peu remplies, ça date de la nuit des temps, en fait. Ouais, c'est toujours. On a toujours parlé du derby, hein, à chaque fois que Nancy a joué contre Metz. Une rivalité malgré tout saine, notamment sur le terrain et puis entre les éducateurs, parce que c'est vrai que je connais pas mal d'éducateurs dans les deux clubs, dans les deux camps. Les gens s'apprécient et c'est bien la principale. Alors, Kevin, l'enjeu de ce match, évidemment, c'est une place en demi-finale. De deux équipes qui n'ont pas forcément encore beaucoup de choses à jouer, on en reparlera. Mais Nancy, c'est cette année, de manière un peu spécifique, la seule équipe de Régional 1 encore en lice, parce que Nancy a fait le choix, pour des raisons budgétaires essentiellement, de redescendre au niveau régional. Pour autant, ce match n'est pas si déséquilibré que les niveaux nous laisseraient entendre. Non, parce que je pense qu'on peut considérer Nancy comme une équipe de niveau national, puisque ça reste un centre de formation, ça reste un club professionnel. Donc, je pense que ça va être vraiment équilibré. Et on va le voir d'ailleurs avec les parcours des deux équipes, hein, si Giovanni peut nous les montrer à l'écran, avec Nancy qui évidemment évolue en Régional 1, a démarré son parcours bien plus tôt. Mais il y a quelques faits d'armes, hein, notamment l'élimination de l'AS Saint-Etienne, c'est pas rien. Il y a eu Annecy, il y a eu également Saint-Brieuc qui ont été éliminés du côté de Velaine-en-Haye. Et puis quand on va voir le parcours du FC Metz, un peu plus restreint, qui avait démarré à Cronenbourg en Alsace pour son entrée en lice. Mais voilà, il y a des faits d'armes, il y a notamment Lyon, qui était l'équipe qui avait barré la route des Messins la saison dernière. Et cette fois-ci, les Messins ont quelque part vaincu le Cygne Indien en s'imposant au tir au but. Et puis il y a eu Lorient, parce que Lorient, c'est une très grosse équipe cette année de championnat. Metz, tu les connais bien, tu les as joués le 18 février avec ton équipe. Il y a de vraies armes et on pense que l'équipe qui est là, elle est peut-être encore plus forte que celle qui a joué contre Pagny. Ouais, tout à fait. C'est sûr que pour un quart de finale de Gambardella, l'armada, on va dire, des meilleurs joueurs U18 est présente et sur le terrain. C'est pas forcément le cas tout le temps en championnat parce que les meilleurs sont amenés à jouer en N3. Ouais,
en effet, Metz, c'est costaud. On a pu justement le déguster le 18 février. Il y a des armes offensives. 4-0, hein, c'était ça. Ouais, ouais, c'est 4-0. Calorès reste sur le public. C'est rapide, c'est puissant. Donc, ça va être une belle confrontation parce qu'on a eu aussi l'occasion de jouer Nancy en match de préparation juste avant leur match. Reste Calorès. C'était contre Saint-Brieuc, tout à fait, en match de prépa. Ok, Calo. Je pense que ça va être encore une fois une rencontre avec Kevin. Alors Kevin, il y a un mot aussi, là c'est plus à l'éducateur que je m'adresse. Il y a un contexte particulier, jouer au stade Marcel Picot, là où Nancy d'ailleurs jouait hier soir en National, a été tenu en échec par Gol FC. C'est forcément un événement exceptionnel pour des jeunes, dans le vrai sens du terme, hein, la taille du terrain, le public, l'ambiance. Est-ce que c'est un avantage ou pas pour une des deux équipes? Pour les joueurs, ça je pense que c'est stimulant, ça peut être un petit peu aussi il peut avoir un peu d'appréhension. Après je pense que les entraîneurs ont préparé les joueurs à ça, ils vont faire abstraction de ça et ça va être forcément une sacrée belle expérience pour eux et un beau souvenir en tout cas. Ouais, toi forcément ce que tu mettais en avant tout à l'heure, c'est le fait que ça change un peu les habitudes. Et un entraîneur, il n'aime pas quand les habitudes changent. Hein. Tout à fait, ouais, c'est vrai que je t'en parlais tout à l'heure. J'aurais pas forcément aimé, en étant entraîneur de Nancy, jouer ici, sachant qu'on a l'habitude de jouer en Forêt de Haye, en championnat, les tours précédents. Donc, parce que bon, force est de constater que ça change. Hein, malgré tout, le terrain est peut-être plus grand. Il y a une ambiance autour, un certain climat. Les habitudes vont changer, c'est sûr. Et puis on va jouer ici sur un terrain hybride, hein, magnifique, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait un match hier soir. Dans un week-end, Pascal, qui n'est pas terrible en termes de météo, mais le terrain, il est parfait. Voilà, mais c'est vrai que Nancy, habituellement, joue plutôt sur son terrain synthétique en Forêt de Haye. Et Metz s'était qualifié contre Lorient au tour précédent sur le terrain synthétique du stade de Zavel, juste à côté de Saint-Symphorien. Voilà. Alors, on va rentrer dans le film du match en écoutant dans l'ordre Nicolas Florentin, qui est le directeur du centre de formation de la Nancy Lorraine, et Manu Giudicelli, l'entraîneur de ces U18, U19. Du FC Metz juste avant le match et on se retrouve tout de suite après. Emmanuel, bonjour. Match important aujourd'hui, quart de finale de Coupe Gobardella contre Nancy, un derby ici à Marcel Picot. Comment vous abordez un petit peu ce match? On l'aborde dans la continuité des tours précédents. L'idée c'est de garder une ligne directrice par rapport à ce qu'on veut, à ce qu'on proposait, se préparer sereinement, c'est ce qui a été fait tout au long de la semaine. Alors ça a une saveur particulière parce que ça reste c'est un derby. Mais l'idée c'est de rester focus sur ce qu'on va devoir mettre en œuvre sur le terrain pour arriver à se qualifier. C'est quoi le message que vous transmettez à vos joueurs, à votre groupe pour ce genre de match? Bah, en fait, il n'y a pas un message particulier. L'idée, c'est un groupe qui s'est construit dans la difficulté. Et aujourd'hui, si on est là, c'est qu'on s'est appuyé sur des vraies valeurs. Et on travaille sur ça au quotidien. Et l'idée, bah, c'est de s'appuyer sur ça encore aujourd'hui, sur un contexte qui sera encore différent. Ça nourrit leur parcours de formation et c'est hyper intéressant et riche de pouvoir vivre pleinement des moments comme ça. Donc l'idée, c'est de continuer d'avancer dans la continuité des derniers matchs. Merci beaucoup. Nicolas, bonjour. Bonjour. Match important aujourd'hui, quart de finale de Coupe Gobardella contre Metz, c'est un derby. Comment vous abordez un petit peu ce match? Comment le groupe aborde ce match? Le groupe avec le coach et tout son staff a bien préparé le match. C'est vrai que c'est un quart de finale de Gobardella. C'est pas tous les ans que le club peut se hisser à ce niveau-là. Aussi pour les jeunes, c'est pour l'instant le plus grand match de leur carrière. On espère bien évidemment par la suite qu'ils en auront des bien plus importants, mais voilà, ça va être un match important à jouer, mais on n'a pas envie que les garçons se mettent une pression. On imagine qu'à l'intérieur d'eux, ça doit bouillonner un petit peu, mais l'essentiel va se passer sur le rectangle vert avec, on l'espère, un bon match et un public en nombre ici à Marcel Picot. Justement, il y a un contexte assez différent. Ils jouent à Marcel Picot pour la première fois de leur vie. Est-ce qu'il y a un message particulier qui est apporté à ces jeunes? Voilà, il va falloir faire abstraction du contexte. C'est pour ça que le coach et son staff, Gaston et tout le staff, ont bien préparé cette rencontre-là en venant un petit peu s'entraîner ici. Et d'ailleurs, on remercie la métropole et le club d'avoir mis à disposition le stade pour que les garçons puissent venir deux, trois fois dans la semaine. Voilà, donc il va falloir qu'ils évacuent un petit peu tout ça. Peut-être que l'entame de match va leur permettre d'évacuer la pression, certainement, d'un côté comme de l'autre, bien évidemment, qu'ils doivent avoir. Merci beaucoup, Nicolas. Merci.
Voilà, effectivement, et vous voyez cette tribune, qui est la tribune Jacquet, hein, du nom évidemment d'Aimé Jacquet, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, qui a été longtemps ici entraîneur, figure marquante évidemment du club, au même titre que les Olivier Rouillet, Michel Platini, etc. C'est un temple du football, hein, ce stade Marcel Picot, même si malheureusement l'équipe Fagnon ne joue plus qu'en national, et que sans doute que pour la montée, Kevin, ça sera un petit peu compliqué cette saison. Mais il y a du monde, il y a une ambiance, et il y a notamment ce groupe de supporters, les Saturday FC, qui sont là, et voilà, le contexte du derby fait qu'ils étaient là hier soir, ils sont encore là ce matin, cet après-midi. Tout à fait, ouais, ça va être une belle ambiance. Pour les jeunes de Nancy, encore une fois, ça une sacrée belle expérience et un beau souvenir. Allez, on rentre dans la composition des équipes, alors qu'on voit les deux équipes qui sont à l'entrée du tunnel. On commence par la composition de l'AS Nancy-Lorraine. Giovanni, si on est prêt. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir comme avec dans les buts, ça sera Kenzo Noël, Arsène Colas en numéro 2, Hugo Moron en numéro 3, Sacha Carrier en numéro 4, Johan Guessant en numéro 5, le capitaine Yanis Ferrat de Lavaux, le numéro 7 Bismarck Adoma, le numéro 8 Idrissa Sabali, le numéro 9, le buteur hein, voilà de cette équipe, Zakarian Zoutouti, Quentin Carpentier en numéro 10, Erwan Daou Cordier en numéro 11, les remplaçants Mathieu Maccarini, François Mendy, Théo Giacchini, Kamel Tejini et Théo Guillaume. Et l'entraîneur, c'est bien sûr monsieur Gaston Curbelo, le fils de Carlos, hein, qui a été longtemps buteur ici à l'AS Nancy-Lorraine. La composition pour le FC Metz, composition plus classique avec, comme le disait Kevin, les joueurs classiques du championnat U19. Mais il y a Lucas Poza qui est le capitaine, le gardien qui avait été décisif face à Lorient. Clarence Cocoron en numéro 2. Tahiris Dos Santos en numéro 3, César Obongo en numéro 4, Adam Marshall, j'y reviendrai tout à l'heure, en numéro 5, Kimi Gandrizi en numéro 6, Hugo Haar en numéro 7, Noam Marshall, encore lui, numéro 8, Maï Niemagnon, c'est le buteur de l'équipe, numéro 9, Diego Duarte, jeune joueur luxembourgeois en métronome, et puis Bisnat Mbala, le numéro 11, les remplaçants, Adam Shamsdine, Abdallah Mbemba, Alessio Martinez, Damien Stegman et Romain Jean-Baptiste. Voilà pour cette équipe qui est coachée par Emmanuel Giudicelli. Les trois arbitres de la rencontre avec au centre Baptiste Lambert qui arrive de Besançon, assisté de Rémi Laurent et de Maxime Santaganta. Et on salue également les délégués de cette rencontre, Nicolas Grandidier et Nathalie Gérard. Voilà pour la composition, alors que a priori il y a une minute de silence qui est en train de se mettre en place ici au stade de Marcel Picot. Voilà un petit peu, vous avez le contexte. Alors on n'a pas parlé, Kevin, de la météo. Mesdames, il a fait relativement mauvais tout le week-end. Ça s'est calmé. Pour l'instant, il ne pleut pas. Mais il ne devrait pas pleuvoir. Il ne pleut pas, il n'y a pas de vent. Ah, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de vent ces derniers jours. Donc non, c'est vrai que là, les conditions sont parfaites. Une minute de silence juste après ce protocole. Merci d'avance. Voilà, et puis il y a une petite minute de silence qui va démarrer ici au stade Marcel Picot à quelques instants du coup d'envoi. Voilà pour cette minute de silence très bien respectée dans cette ambiance. Kevin, précision importante aussi, hein, la préfecture a limité très fortement le déplacement des supporters messins. Ils devaient être 200, finalement ils sont 10, 12, allez, je crois qu'on a laissé tomber parce que c'était un petit peu compliqué en termes d'organisation. Donc voilà, il n'y aura pas forcément de bataille de tribune aujourd'hui, hein, clairement. Ouais, non, c'est sûr que là, Metz est fortement diminué dans la tribune. Effectivement, le combat de la tribune, il est largement déjà gagné par l'AS Nancy-Lorraine. Et voilà. Et puis on aura tout au long du match Tom Imbert, notre homme de terrain, qui pourra recueillir les réactions. Merci Tom de penser aux photos des équipes aussi. Voilà, donc Tom qui va pouvoir nous donner aussi les impressions, faire les réactions des bancs et des joueurs à la mi-temps dans ce contexte donc spécial. Et ce match qui s'annonce. Tout le monde l'a dit, et toi le premier, Kevin. Match qui s'annonce relativement ouvert.
On verra, voilà. De quelle manière cette notion de derby, elle joue, il y a une rivalité. Alors tu dis qu'elle est saine, oui, mais forcément, le fait pour les jeunes nancéens notamment de jouer adossé hein, dans cette première mi-temps à leur COP, ça va donner peut-être un peu plus d'engagement, d'envie dans les premiers moments. Ouais, en effet, sur le début de match, ça peut, alors, ça peut avoir soit un effet de pour transcender les garçons, soit au contraire plutôt les crispés. Donc, je pense que les coachs ont dû insister beaucoup sur l'entame de match qui va être importante dans les têtes. En tout cas, c'est parti ici au stade Marcel Picot et on rappelle, c'est une information évidemment très importante, que le vainqueur de cette rencontre retrouvera le vainqueur du match 3-Toulouse à domicile. Donc ça veut dire que Nancy ou Metz a la certitude de jouer à domicile le prochain tour, ça sera au début du mois de mai. Et pour l'instant, c'est plutôt face à l'Estac 3, puisque l'Estac 3 mène, on vous le rappelle tout à l'heure, mené 2-0 à 5 minutes de la fin de la première mi-temps, match qui a démarré à 14h du côté du complexe de l'Aube. Donc pour l'instant, c'est plutôt avantage à 3. Et donc potentiellement encore un derby du Grand Est à venir pour la demi-finale, ce qui est absolument exceptionnel. C'est vrai que d'avoir 4 équipes de la même ligue en quart de finale, c'est tout bonnement exceptionnel, en tout cas a priori. C'est jamais arrivé. Qu'est-ce qu'on peut dire, Kevin, de cette entame de match? On a vu les Messins essayer d'aller chercher un petit peu haut, les Nancéens. Tout à fait, ouais. Les premiers ballons ont été mis dans le camp nancéen pour faire avancer le bloc. Je pense qu'en effet, sur un début de match, c'est important de s'installer dans le camp de l'adversaire. La bonne récupération pour les Messins. Alors on en parlait, hein, il y a les deux frères Marshall, hein, ils ne sont pas jumeaux mais ils sont frères, c'est Adam et Noam Marshall. Alors qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces deux garçons? C'est que ce sont les deux garçons de Sylvain Marshall qui est aujourd'hui l'entraîneur de l'équipe réserve du FC Metz en National 3. Sylvain qui a aussi joué à Saint-Etienne, à Lorient notamment, et c'est vrai qu'il a retrouvé quand il était à Lorient ses anciens coéquipiers face à lui. Et il y avait, alors je crois que c'était, je crois que c'est Adam qui jouait, hein, et Noam était blessé. Lui, il joue régulièrement en National 3, on l'a dit, hein, il y a quelques joueurs qui ont l'habitude maintenant des joutes de National 3 qui devraient amener un petit peu d'expérience. Vous voyez Noam, il est là avec ses chaussures orange, avec le numéro 8 au milieu de terrain, un petit peu au cœur du jeu. Et là, une sortie de balle avec le capitaine, ça s'est bien joué. Et on va chercher long. Les choses qui sont préparées sans doute à l'entraînement avec Bismarck Adoma qui va tenter de déborder, qui va pouvoir centrer en retrait. Et ça sera le premier corner du match. Après exactement 2 minutes 30. C'est bien joué, hein. C'est vrai qu'il avait passé l'épaule devant l'adversaire. Un petit tirage de maillot que l'arbitre avait vu. Et donc en effet le premier corner pour Nancy. Alors on avait vu un truc exceptionnel, Kevin, c'était les premiers corners de Metz contre Lorient. Il y avait trois corners avec des dispositifs, bon, là c'est, évidemment c'est Nancy, mais on va regarder ce que nous proposera Metz tout à l'heure sur son premier corner. Tiré au premier poteau, c'est dégagé. Récupéré, attention, avec une possibilité de transition. Avec un, ouais, c'est bien un bon retour là, bon retour défensif de l'AS Nancy Lorraine. Et le ballon, il va être récupéré par... Ouais, il y avait peut-être touche pour Nancy, mais c'est pas très important. On est dans le centre du terrain avec Tairis Dos Santos. Il me semble qu'il était absent, hein, lui, contre Lorient. Il devait être blessé. Il y avait pas mal de changements dans le secteur défensif. Puis on se souvient que Adam Marshall aussi, hein, qui avait dû sortir sur blessure. C'est bien joué cette sortie de balle avec à nouveau le numéro 7 Bismarck Adoma, mais cette fois-ci il était hors jeu. Mais ça a l'air d'être bien préparé, hein, ces petits ballons avec tout d'un coup une recherche de profondeur, hein, Kevin. Ouais ça fait deux fois que ça combine bien avec du jeu à 3 et le fait de trouver le joueur lancé numéro 7 de Nancy. C'est Bismarck. Ouais, tout à fait. Bismarck Adoma. On sent que c'est travaillé. En effet, il y a eu. Deux fois un appui soutien et la recherche du joueur lancé. Ouais, effectivement, et puis on cherche le joueur en profondeur entre les deux défenseurs messins.
Et donc pour l'instant, en termes de dispositif, on a globalement une organisation en miroir. Hein, 4 défenseurs des deux côtés. A priori, c'est à peu près ça, hein, Kevin. 1-4-1-4-1, ouais, pour les deux équipes. Et pour l'instant, on joue au foot. Hein, il n'y a pas d'excès d'engagement. Il y a clairement l'envie d'en découdre. Mais sur le plan technique, sur le plan footballistique, attention à ce bon ballon. Avec là un premier corner. Ah, il me semblait qu'elle était touchée. Et c'est Niemagnon qui était venu mettre sa tête. Ouais, Niemagnon et... qui a un bon jeu de tête. Hein. Un bon jeu de tête. Il nous a posé pas mal de problèmes dans les airs sur le match aller, sur le match retour de championnat U19. D'ailleurs, il a marqué un doublé de la tête. Et là, on fait le choix à Metz d'aller chercher assez haut. Et on oblige le gardien Kenzo Noël, que tu connais, hein, parce qu'il est, voilà, il est là où tu travailles, hein, tous les Tout jours, à fait, du côté ouais, de Blénaud. Il habite Blénaud, les Pont-à-Mousson, donc c'est un petit que j'ai vu grandir. Et, ouais, un super garçon, en plus d'être un super gardien. Donc ça me fait plaisir de le voir jouer à ce niveau. Yonen Guessant. Arsène Collat, le numéro 2. Et on repasse par le gardien Kenzo Noël. La volonté de sortir le ballon propre, de ne pas trop allonger, même si là il n'a pas trop le choix. Et on cherche beaucoup ce côté droit, et pour l'instant ça passe. Hein. Ouais, il a pris le dessus. Hein. Il a pris le dessus très clairement. Tairis Dos Santos qui est en difficulté, ça fait 3 fois là, que Bismarck Adoma fait la différence dans son couloir droit. Et là il y avait effectivement, très clairement, on le voit le ralenti, un tirage de maillot indiscutable. Et on va voir ce petit coup franc excentré pour l'AS Nancy Lorraine. Et a priori, c'est le capitaine Yanis Delaveau qui va s'y coller. Ouais, qui est gaucher, donc ça risque d'être rentrant. Et ça y est, on voit Gaston Curbelo qui s'est levé. Pour rappeler, voilà, il vient de faire un petit geste là, à son joueur. Allez. Il lui a dit de frapper. Voilà, ballon tendu, se frapper. Ouais. On va sans doute chercher le cadre de Lucas Poza. Match plaisant hein, pour l'instant, au bout de 7 minutes. Assez peu haché, hein. Je crois que c'est le premier coup franc depuis en 7 minutes de jeu. Et il va chercher au deuxième poteau, mais c'est tranquillement dans les gants de Lucas Poza, qui avait fait un très très gros match hein, contre Lorient. Je crois qu'il avait notamment arrêté un pénalty. Tout à fait. Ouais. Voilà, les supporters nancéens qui sont bien présents. Bon, hormis les fumigènes, évidemment, qu'on ne peut pas forcément célébrer, c'est sympa que les supporters soient présents ici au stade Marcel Picot. Ça fait partie de l'ambiance du derby. Et encore une fois, pour les joueurs, c'est super, ça, c'est magnifique. Ça va leur faire un sacré bon souvenir. Bon, les arbitres n'aiment pas trop ça, en général. Ben voilà, effectivement. Et là, Monsieur Lambert, Baptiste Lambert, il va aller voir le délégué. Parce que c'est vrai que peut-être que... C'est un petit peu compliqué au niveau du poteau de corner. Mais voilà, il y a un tout petit peu de vent. Il y a juste ce qu'il faut pour pouvoir dissiper tranquillement ce petit nuage de fumigène. Et on va pouvoir reprendre la partie. Voilà, puis on essaiera de vous donner aussi des nouvelles des autres matchs de Gambardella. Allez, voilà, on va pouvoir reprendre le match. Dès que l'arbitre Baptiste Lambert aura donné son feu vert. Allez, c'est parti. On y retourne avec une touche pour Dos Santos, qui cherche Niemagnon dans la surface de réparation. Et ça sera le corner, voilà. Premier corner, monsieur. Alors, premier corner. Alors, on avait vu, ça avait été totalement, je ne sais pas si tu avais vu le match, Kevin, mais totalement déroutant pour les Lorientais. Il y avait des dispositifs vraiment spécifiques. Et là, on le voit, le dispositif messin qui est en train de se mettre. Alors, c'est un peu le... Ils nous avaient fait tout, hein, la tortue. Et ils étaient tous à l'angle. Et voilà, là, on le voit. Et ça perturbe un peu parce que, même si je pense que Gaston Curbelo, il a dû voir les images du match contre Lorient. On est plutôt sur une chenille. Sur une chenille, ouais.
Et habituellement, il y avait un joueur au premier poteau qui était censé dévier. Là, c'est pas le cas. Ils sont tous réunis au même endroit. C'est assez spectaculaire comme image. Et en fait, voilà, et on joue court. C'était ça la feinte de Santos. Et c'est tranquillement dans les... Ouais. Alors, ces combinaisons, c'est intéressant, mais bon, voilà, il faut que ce soit efficace. Là, ça l'a pas été. Hein. Ça l'a pas été, du coup, parce que c'est vrai que le numéro 7 nancéen a été attentif, mais ça aurait pu fonctionner. Hein. Il n'y a pas manqué grand-chose. Diego Duarte qui nous a gratifié d'une aile de pigeon. Ça a été bien contré par Arsène Colas et ça sera une touche en faveur du FC Metz. Nimagnon en action. Diego Duarte qui était le buteur du match contre Lorient. La victoire 1-0 sur pénalty. Un match très agréable à suivre également. Il y avait eu des occasions que le match aurait pu objectivement basculer d'un côté comme de l'autre. Diego Duarte, joueur très technique, gaucher. Et il obtient un deuxième corner. Alors on va voir si on reprend les mêmes et, ou pas. Alors globalement, ce qu'on a vu contre Lorient, c'est qu'il y avait eu les trois premiers corners avec trois combinaisons complètement différentes. Et puis après, on était revenu à des choses plus classiques parce qu'évidemment, si on ne surprend pas l'adversaire, ça ne sert à rien. Et là, a priori, c'est un dispositif encore différent. On a toujours ce regroupement de joueurs au deuxième poteau. Alors là, ils sont dans la surface, ils ne l'étaient pas tout à l'heure. Ouais, et puis ils sont sur la ligne de but. C'est assez étonnant. Et ils font des courses, voilà, on les voit. Une course et on va chercher vers l'intérieur. Et on va dévier. Mais ce sera un coup franc. Les joueurs de Nancy qui pour l'instant sont attentifs, ne se font pas piéger, mais on voit que Gaston Curbelo, il a sans doute travaillé toutes les hypothèses, il a regardé, parce qu'aujourd'hui, évidemment, Kevin, tous les matchs sont filmés ou presque. Ah, c'est vrai que la vidéo a pris une part importante dans le foot de maintenant, et les entraîneurs se servent de la vidéo pour préparer les matchs. Hein. Voilà, en tout cas, merci à vous de nous suivre dans cette partie qui a démarré depuis 12 minutes. Match qui est à suivre sur FFF TV, mais également sur les sites internet de l'Est Républicain, du Républicain Lorrain, forcément. C'est les deux journaux de Moselle et de Meurthe-et-Moselle qui sont occupés par ce derby, mais également sur les antennes de Moselle TV et bien entendu également sur les outils de communication de la Ligue du Grand Est de football. Avec là, il y avait une faute, ouais, ça paraissait pas forcément évident, cette faute d'Adam Marshall. J'ai l'impression qu'il a pris le ballon dans le nez, le joueur nancéien. Et je crois que c'est toujours Bismarck Adoma. Ah, le joueur le plus en vue, hein, côté nancéen, depuis le début de la rencontre. Il pose pas mal de problèmes à la défense nationale. On va revoir peut-être, Giovanni, ce qui s'est passé, mais il me semble que c'est le ballon hein, qui est venu percuter le visage de Bismarck Adoma. En tout cas, c'est un coup franc, on le revoit. C'est ici. Ouais, c'est pas clair. Ouais. C'est pas clair, en tout cas, c'est un coup franc pour Nancy et pour son capitaine Delaveau et son fameux pied gauche. Et l'ami Bismarck Adoma, ouais, je pense que c'est juste le coup, hein, c'est la douleur, effectivement, au niveau des narines. Allez, Delaveau. Pied gauche. C'était un petit peu trop rentrant tout à l'heure. Là, le gardien anticipe un peu. Ouais, mais c'est pareil. Hein. Ouais, pareil. Tout aussi facile à lire pour Lucas Poza. Manque peut-être un peu de puissance et trop dans la zone du gardien. Et la Nancy qui déclenche un pressing assez haut. Ouais, pour l'instant, on a l'impression vraiment que ces deux équipes de Nancy et de Metz, ouais, c'est presque en miroir. Hein. Elles jouent de la même manière. On essaye de sortir proprement. On déclenche un pressing. Attention là, avec une possibilité sur le côté droit avec un bon centre, une tête mais qui manquait de puissance là de Bisnat Mbalat. Avec un centre de Hugo Haar. Super relance du gardien. Ouais, très rapide. Avec Stuti, l'attaquant, et ce sera un corner. Vraiment une super relance du gardien, parce que du coup ça fait action de but, ça fait corner.
D'où l'importance du jeu au pied des gardiens dans le foot d'aujourd'hui. Ouais. Alors Kevin, il semble qu'il y ait deux joueurs de Nancy à l'échauffement, ce qui pourrait vouloir indiquer qu'il y a peut-être un joueur qui a un souci physique, parce que c'est quand même tôt dans la rencontre, là, un quart d'heure de jeu. Alors il me semble qu'ils sont allés à l'échauffement quand le... comme Bismarck Adoma était... Tout à fait, ouais, était blessé. Allez, je pense que c'était plus de la prévention. Corner pour la S Nancy Lorraine. Oh, le but. Et le but. Oh, le but, Nancy. Et voilà le but. Il est signé de Johan Guessant, de la tête. Ouais, il est parfaitement imparable ce ballon. Hein. Il est bien fouetté par le défenseur central nancéen. Et là, évidemment, ça fait la grande joie des supporters nancéens. Et on va revoir ça tranquillement ralenti. Ce but de Johan Guessant. Et il est bien tiré. Ouais, il est bien fouetté au ras du poteau. Lucas Posa peut absolument rien faire. Il est magnifiquement tiré. Vraiment. Voilà, et vous entendez derrière nous les vivas évidemment des supporters de la SNL qui n'attendaient que ça. Voilà, c'est ça, hein, le derby, c'est marquer des buts et en tout cas une entame de match vraiment réussie, même si on avait pour l'instant un match équilibré entre les deux formations. Là, il va falloir que Nancy soit en mesure de réagir. Et là, le ballon, il était sorti. C'est vrai que le but, hein, j'en parlais, mais le but vient d'un dégagement du gardien et on obtient un corner et puis on marque là-dessus, comme quoi ça va vite. Effectivement, avec Stouti qui avait réussi à garder le ballon, obtenir ce corner. Obtenu le corner. Et là on le revoit, la tête elle est magnifique, hein, non seulement il devance tout le monde, et en plus il la place magnifiquement au ras du poteau. Lucas Posa, il n'a même pas bougé. Allez, un but à zéro, un match qui a démarré avec une vraie ambiance de derby du monde. On va dire quoi, quelques milliers de spectateurs, hein, je dirais quoi, Kevin, 5000 peut-être. Ce sera un petit peu profond. Ouais, je pense que l'estimation est bonne, ouais, en effet. Ouais, il y a on va dire un gros tiers du stade qui est ouvert. Malheureusement, les tribunes que vous voyez en face sont elles fermées, mais c'est sur tout le côté gauche, hein, la moitié de la tribune principale est... L'ensemble du côté gauche, la fameuse tribune Jacquet. Et c'est sympa, il y a une bonne petite ambiance. Johan Guessant, le buteur, il a bien trouvé là. Le numéro 10, Carpentier, Quentin Carpentier. Un numéro 10 nancéen qui se place souvent à droite et à gauche, enfin à droite ou à gauche de la sentinelle Messine. Et du coup, ça pose problème à l'équipe de Metz, hein, parce qu'il est souvent entre les lignes et il est souvent tout seul. En tout cas, c'est la confirmation, Kevin, de ce qu'on pressentait. Un match parfaitement équilibré, hein, très clairement, entre les deux formations. Ouais, deux équipes qui cherchent à jouer en plus, à repartir de derrière sans jeu forcément direct. Donc un match plutôt agréable. Et encore un long dégagement du gardien Kenzo Noël. Adam Marshall. Et récupération haute là de Nancy. Avec Stouty, c'est bien joué. Il a trouvé dans l'espace. Et l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. Là, pour l'instant, c'est Dos Santos. Là. Il a pris le dessus, mais c'était, c'était parfaitement bien joué. Hein, ce ballon, peut-être un tout petit peu pas assez de puissance dans le ballon de Stouty, mais dans l'intention, c'était magnifique. Ce qu'a tenté l'avancante nancéen. Et ça sera un coup franc. Ouais. C'est vrai que les trois joueurs offensifs nancéens ont l'air plutôt en jambes. Il en a vu Sabali, hein. Il y avait Nguessant avant, il y a Sabali maintenant, casse des lignes et avec leur puissance et effectivement ça crée des brèches et il y a des solutions systématiquement dans le domaine offensif. Pour l'instant, on va dire avantage au point, avantage au score évidemment, ça c'est le plus important au tableau d'affichage, mais petit avantage aussi au point, hein. Pour l'instant, cette équipe de Nancy qui maîtrise bien son sujet. Et vous voyez là le gros plan de Gaston Curbelo. Gaston Curbelo, il a fait une carrière, alors on le disait, hein, nationalité, il est franco-uruguayen.
Donc il y a un vrai lobby uruguayen à la Estancia Lorraine, puisqu'il y a Pablo Correa. Il n'est pas loin, il est juste là, juste en dessous, là, à gauche. Et Pablo Correa, l'entraîneur de National, qui est revenu, et depuis qu'il est là, bah, ça va beaucoup mieux sur le plan sportif. Et puis le papa de Gaston, c'était Carlos, hein, qui a longtemps aussi animé l'attaque de cette AS Nancy Lorraine. Et puis bah, Gaston, il a aussi fait 10 ans ici au club. Pas toujours été en réussite, un peu des blessures notamment. Il a marqué quand même quelques buts importants. Je me souviens d'un but contre Schalke, notamment en Coupe UEFA, qui avait du coup participé à la qualification de Nancy à l'époque. Un bel exploit d'ailleurs. Il y avait, je crois, des buts contre l'Estac 3 hein, pour la remontée, me semble-t-il. Exactement, également. Ouais, tout à fait. Décisif. Effectivement, l'ami Gaston Curbelo. Allez, remontée de balle. Là, on a du mal à se trouver hein, côté Messin pour l'instant. On ne trouve pas forcément les joueurs dans l'entrejeu. Oui, alors Tom, justement, il y a Tom Imbert, notre homme de terrain, qui a une anecdote sur Gaston Curbelo. Oui, bonjour messieurs, bonjour à tous. Gaston Curbelo, qui est très impliqué dans ce début de match avec son staff, il donne beaucoup de consignes à la défense et aux joueurs nantiens, parce qu'évidemment, avec cette ambiance et ce stade, ils perdent un petit peu leur repère habituel. Donc voilà, c'est important pour le staff de leur donner les consignes au bord du terrain. Merci Tom, effectivement. Et je crois qu'il l'avait dit, hein, puisque... On ne l'avait pas forcément dit, mais c'est vrai que Nancy a joué son match au sommet. Déjà, a joué un sommet la semaine dernière. C'était contre Épernay, hein, le match pour la première place du groupe A de U18-R1. Et il fallait gagner ce match. Et c'est vrai que Gaston Curbelo, il ne voulait pas trop entendre parler de Gambardella avant d'avoir joué ce match. Ils ont gagné 3-0 contre les Sparnassiens. Et effectivement, il notait la semaine dernière que ce qui changerait, c'était notamment la difficulté à transmettre des consignes. Là où la fois en forêt de haie, ben voilà, on entend tout, c'est facile, là c'est moins simple. Ouais, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué de communiquer avec les joueurs par rapport à l'ambiance mise par les supporters, donc c'est dur de se faire entendre. En tout cas, on assiste à un match plaisant ici au stade Marcel Picot, et puis on l'a dit, il pleut pas, il n'y a pas de vent, il fait pas trop froid. Donc c'est plutôt agréable. Et puis on a déjà vu un but avec là une tentative de frappe de Diego Duarte avec une sortie de balle avec toute la puissance. Il n'y a pas eu pas de coup franc, pas de faute pour l'instant, on laisse jouer. Il y a eu un petit choc entre a priori c'était le numéro 8 Sabali avec Marshall, avec Noah Marshall, et là le ballon est poussé un petit peu trop loin et ça va être récupéré par les Messins. Diego Duarte avec Arr sur le côté qui retrouve Duarte, qui va peut-être pouvoir frapper. Il arme sa frappe du pied gauche, mais c'est trop simple, manque de puissance pour embêter Kenzo Noël. Il n'a pas pris beaucoup de risques sur la frappe, en effet. Il a cherché à la cadrer sans prendre de risques, et du coup, frappe un peu trop écrasée. On a l'impression qu'il mise sur cette première mi-temps de la première mi-temps que c'est plutôt les Messins qui sont... impressionnés, qui sont, semble-t-il, pas réellement libérés. En tout cas, ouais, c'est tout sentiment fait, que ça ouais, donne. Oui, tout à fait. Je les sens un petit peu crispés, en effet. Il y a plus de prise d'initiative côté Nancéen sur des 1 contre 1. Là, encore une fois, voilà, le numéro 9 qui va chercher à provoquer. Il obtient des fautes. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop eu côté Messin, ce genre de provocation en 1 contre 1. Et comme le disait Nicolas Florentin, l'entame de ce match, le directeur du centre de formation, bah, ils ont eu l'occasion de venir... 2 ou 3 fois dans la semaine, hein, donc quelque part de se décrisper aussi. Je pense qu'on l'a bien préparé côté Nancéien, et le club avait, dès le tirage au sort, annoncé son intention de jouer ici. Donc quelque part, on a eu le temps de s'y préparer. Là où peut-être que les Messins, voilà, étaient peut-être un peu moins dans cette logique et dans cette préparation. Ils semblent pour l'instant, en tout cas, plus écrasés par la pression et ce grand stade ici à Marcel Picot. Le capitaine de Lavaux. Son pied gauche. Voilà, il y a une tentative de combinaison. Il y a Gaston Curbelo qui est tout près. Là, c'est encore vraiment proche du gardien. Dégagé tranquillement par Marshall. Avec peut-être une transition rapide. Avec Hugo Arr qui est venu sur le côté. Mais il est contré. C'est bien joué défensivement. C'est un vrai bon match de foot pour l'instant. Dans un bon état d'esprit sur le terrain. Franchement, il n'y a pas de... Ouais, il n'y a pas de mauvais gestes, il n'y a pas de grosses fautes. Non, c'est vrai que c'est un match
engagé, mais c'est vrai, il n'y a pas de faute, c'est plutôt agréable en effet. Il est intéressant ce garçon, Stouti, il a dos au but notamment, il arrive à garder la balle dans des conditions, là c'était dans son camp, donc pas évident toujours, parce que c'est dangereux de la perdre à cet endroit-là du terrain évidemment. Et on relance avec le côté gauche, avec Hugo Morone, qui repasse par sa charnière centrale. Nguessan, pour l'instant, le seul buteur de ce match. Et en fait, c'est ça, on travaille et on déclenche, hein, c'est ça un peu c'est là. C'est ça, ouais, ça prépare sur deux, trois passes. Et après, on a des attaquants qui courent vers le but et ça fait du coup courir la défense vers leur but. Donc c'est jamais simple, hein, de courir vers son but. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient pas mal exploité le côté droit avec Adoma. Puis c'était plutôt Stouti. Et là, c'était la troisième cartouche, hein, Quentin Carpentier, le numéro 10, qui était venu faire l'appel. Donc c'est vrai que c'est pas tout le temps le même schéma. Ouais, ça crée forcément un petit peu d'incertitude du coup dans la défense messine. Et là, ça sera encore une touche en faveur de la SNL dans le camp messin avec Hugo Morone. Voilà, on vous rappelle qu'évidemment, en cas d'égalité, pas de prolongation, mais ça vous le savez, ce sera la séance des tirs au but. On vous rappelle également, si vous venez de nous rejoindre, que le gagnant de cette rencontre recevra au tour prochain. Donc ça, c'est super important. Donc on peut penser que si c'est Nancy, il n'y a pas de raison qu'on change et qu'on jouera à nouveau ici à Marcel Picot. Et voilà, Metz, on verra. Mais quoi qu'il arrive, ce sera le vainqueur du match entre Troyes et Toulouse face à Nancy ou face à Metz d'ici quelques semaines. Et pour l'instant, a priori, c'est plutôt Troyes qui tient la camp, puisque Troyes menait à la mi-temps 2-0 face au TFC dans ce match de quart des finales. Ça, c'est bien joué avec un centre en retrait. Là, c'est dommage, il avait tout bien fait et il rate un petit peu son centre, l'ami Mbala. Là, on va revoir le ralenti. Là, il a vraiment bien réussi à faire la différence avec une accélération. Et là, son centre, il a un petit peu raté en direction de Nimagnon. Mais en tout cas, l'intention était bonne pour Mbala. Diego Duarte avec Hugo Haar. Ça combine pas mal, hein, les deux, le numéro 7, le numéro 10. Diego Duarte, il n'a pas réussi à lever suffisamment son ballon. Ah, les Messins arrivent à récupérer le ballon un peu plus haut sur le terrain. Et du coup, ça fait 2-3 minutes qu'ils sont installés dans le camp de Nancy. Ouais, évidemment, c'est un match qui est loin, loin, loin d'avoir livré son verdict. Mais attention aux transitions nancyennes. Stouti, c'est bien défendu par Adam Marshall. Et Diego Duarte qui obtient la touche. Un ballon perdu, récupéré à nouveau par Gandziri. Diego Duarte qui va repasser par Noam Marshall. Dos Santos sur le côté gauche. Une tentative de centre, c'était bien joué, Vernier Magnon. Belle parade dans les airs là, de l'ami Kenzo Noël, l'ami de Kevin Gatica, notre consultant du jour. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bel arrêt, techniquement très propre. Alors Kevin, on va en profiter pour parler un tout petit peu de ton club aussi, hein, la Hispanie, qui avait fait le choix d'accepter l'accession 19 nationaux. C'est quoi le bilan alors qu'il reste quelques matchs? Bah, le bilan il est plutôt satisfaisant dans la mesure où à 4 journées de la fin on est toujours en course pour se maintenir. C'était pas forcément donné en termes de pronostic en début de saison. On s'est offert quelques exploits avec des victoires contre des clubs pro tels Clermont Foot ou Sochaux. On découvre ce niveau fabuleux, c'est une super expérience pour le club et pour les joueurs et pour nous entraîneurs. Voilà, maintenant il nous reste 4 matchs, des matchs plutôt compliqués avec notamment la réception de l'Olympique Lyonnais dans 15 jours qui va être une belle fête au club et quels que soient les résultats, voilà, on profite du moment présent parce que c'est pas des choses qu'on pourra vivre tous les ans. Ouais, parce que c'est vrai que vous avez reçu Auxerre, hein, la semaine dernière.
défaite courte, 1-0 hein, face au leader qui caracole en tête du groupe, Kevin. Malgré tout, est-ce que ça ne met pas trop le club en tension en termes d'organisation, d'engagement Parce que c'est vrai que c'est complètement neuf hein, pour le club qui découvrait. Tout à fait, ouais, c'est pas évident parce que les U19 peuvent aussi être amenés à jouer en senior R1. Il faut aussi alimenter nos équipes seniors, c'est aussi la priorité du club. L'équipe A reste la priorité, donc c'est pas évident hein, de faire le choix entre l'équipe U19 et l'équipe senior quand les deux équipes jouent sur le même week-end. Quoi. En tout cas, on salue le club de Pagny. Et puis, comme tu es un peu multitâche dans ce club, alors on va peut-être suivre quand même l'action avec ce ballon. Et voilà un ballon qui est contré, qui reste dans les pieds messins, mais ça va être tranquillement récupéré par Kenzo Noël. Oui, je dis que tu es un peu multitâche au club. Tu t'entraînes aussi, les U15, hein, comme ça, histoire de compléter ta semaine. Et vous avez un match demain, Coupe du Grand Est, en quart de finale, face à Chiltikheim. Donc, c'est pas évident, hein, le grand écart entre les 15 et les 19. Non, c'est vrai, c'est pas évident. On manage pas forcément de la même façon, mais c'est toujours avec passion. On a demain une belle petite échéance avec un quart de finale de Coupe du Grand Est qui vient récompenser le travail des garçons et leur super état d'esprit. Donc ça va être une belle fête du foot demain à Pagny parce qu'on va avoir un peu de monde au stade. Voilà, et on a vu là une magnifique frappe. Pendant qu'on discutait de Pagny, Sabali lui a trouvé le poteau droit de Lucas Posin. On va revoir ça tranquillement ralenti, mais quelle belle frappe, hein, sèche, soudaine. Et puis, je crois que c'est. Il me semble que c'est Erwan Daou qui a tenté la reprise dans la foulée, mais directement dans les bras de Lucas Posa. Giovanni, si on peut recaler la frappe de Sabali, elle est tout simplement magnifique. On le voit ici récupéré. Il arme, frappe du pied gauche, sèche. Elle va taper la base du poteau. Je pense que le gardien est dessus. Mais bon, voilà, c'était une vraie belle occasion pour. Pour l'AS Nancy Lorraine de faire le break. Et en l'inverse, maintenant, c'est un corner en faveur du FC Metz. Donc on en revient et on termine avec Pagny. Demain, rendez-vous 16h hein, au stade Jean Bérini du côté de Pagny-sur-Moselle pour ce match face à Chiltikheim. Venez encourager les jeunes pagnotins. Tout à fait, ouais. 15h sur le terrain synthétique de Pagny. Ouais. Voilà, on revient à ce match de Coupe Gambardella avec Diego Duarte. Joueur luxembourgeois, il y a des connexions de plus en plus importantes entre le FC Metz et le Luxembourg voisin. Diego Duarte, c'était bien joué avec Marshall. Et en deux temps, mais ce sera un dégagement au 5m50. Oui, il y a toujours eu des connexions entre le FC Metz et le Luxembourg. Hein. Bien sûr, on se souvient de Robbie Langers, Nico Braun pour les plus anciens, qui étaient des buteurs luxembourgeois, et ça continue, il y a toujours eu régulièrement. Il y en avait un d'ailleurs il n'y a pas longtemps qui Vincent Thiel, me semble-t-il. Vincent Thiel, ouais, tout à fait. International A luxembourgeois, ouais. Ouais. Qui jouait à peu près au même poste d'ailleurs que Duarte, qui a un peu le même profil. Hein. Gaucher, joueur très technique. Deux joueurs qui se ressemblent un peu, en effet. Allez, une touche pour l'AS Nancy Lorraine dans le camp messin. Nancy, on a l'impression qu'ils sont un peu plus dans la gestion. Et ils essayent de faire mal sur des coups, hein, comme tout à l'heure sur cette frappe de Sabali. Ah, ils alternent les temps forts, les temps faibles. Ils maîtrisent plutôt le fil du match pour le moment. C'est le capitaine, hein, le numéro 6, qui parle beaucoup, qui gère un petit peu le rythme du match. On le sait, Kevin, hein, la difficulté dans ces catégories d'âge, c'est justement la maîtrise du rythme du match, hein. Là, on n'a pas forcément l'expérience des seniors et parfois c'est un peu dans la gestion, parfois c'est un peu tout fou. La maîtrise des émotions, le fait de d'être calme ou le fait d'accélérer quand il le faut, c'est vrai que sur les 18 on a tendance à vouloir aller tout le temps vite et c'est intéressant d'avoir ce genre de garçon comme le capitaine de Nancy qui j'observe depuis quelques minutes, communique beaucoup avec ses coéquipiers. Yanis Ferrat de Lavaux. Et là encore Stouti qui avait fait la différence, qui obtient encore un coup franc là, qui va permettre à son équipe non seulement de se dégager, mais pourquoi pas d'organiser une offensive.
Il est intéressant ce garçon, il perd très rarement le ballon. Ancien pensionnaire du pôle espoir de Nancy, qui est juste à côté d'ici, à Tomblaine, au Krebs. Ouais, tout comme le numéro 3 nancéen. Hugo Moron. Hugo Moron, ouais, qui est aussi un ancien pensionnaire du pôle espoir. Le voilà Stouty. Ah, c'est bien joué encore. Et encore une faute. Et là, je crois que cette fois-ci, il va y avoir la biscotte. Et c'est Noam Marshall, le numéro 8, voilà, qui a écopé un peu du carton jaune pour tout le monde. C'est un peu la multiplicité des fautes, comme l'a expliqué gestuellement Baptiste Lambert, l'arbitre de ce match. Carton logique, hein, Stouty, il a dû concéder 3-4 fautes. Là, très bon arbitre, hein, très bon arbitre qui a l'habitude d'arbitrer en National 2. Et ça va donner un coup franc. Alors on a changé de tireur, c'est Carpentier qui s'y colle. C'est ce coup-ci pied droit, donc on va sans doute chercher une tête au deuxième poteau. On va sans doute pas chercher le cadre. Quentin Carpentier. Ah, je pense qu'on veut éviter la sortie du gardien messin. Oh. Ah, ouais. Eh ben pas du tout. Et là c'est exceptionnel ce que vient de faire Quentin Carpentier. Malin, malin comme lui. Et là, tout le monde le voyait. Nous, les premiers, Kevin, on est tombé dans le panneau. Ah, on est tombé dans le panneau. Voilà, on est tombé dans le panneau. Il a trouvé le soupirail au premier poteau. C'est magique hein, quand on voit des choses comme ça. Ah, c'est... Voilà, c'est plein, plein, plein de lucidité. On parlait tout à l'heure de prise d'initiative, de prise de risque. Et ben... Voilà, on va revoir ça. Mais... Et en plus, bon, alors après, Lucas Posa, je crois qu'il n'a pas vraiment de réussite parce que c'est lui qui. C'est un autogol, hein, à mon avis. Mis sur son poteau. Ouais, ouais parce qu'on ne le voit pas. Ah, c'est lui qui la met sur le poteau, mais pas suffisamment. Et ben, voilà un drôle de match. Voilà, on avait annoncé un match serré, ben, pour l'instant il ne l'est pas vraiment. Et surtout, il n'est pas dans le sens où certains qui pensaient pouvoir douter en disant ben, c'est une équipe de Régional 1, ben, voilà, on le revoit là avec un autre angle. Ben, il est pris de vitesse et il est complètement pris au dépourvu, Lucas Posa. Un but de malin de Quentin Carpentier, magnifique. Cette frappe et on voit que ça a été travaillé. Je pense qu'il savait exactement ce qu'il allait faire et nous les premiers on est tombés dans le panneau. Ah, tout à fait. On attendait le ballon au deuxième poteau, ben, pas du tout. Encore faut-il réussir attention à ce ballon avec Mbala qui va pouvoir rentrer dans la surface de réparation mais encore une fois il fait la différence mais chaque fois le ballon, le centre n'arrive pas vers Niemagnon. Et puis le numéro 2 est vite revenu. C'est vrai qu'il avait, il avait quelques mètres de retard. Et... Arsène Collin, le numéro 2. Hugo Moron, on est à l'opposé, on est côté gauche avec un ballon récupéré assez haut par les Lorrains, avec Hugo Arr, avec Duarte. Mais c'est récupéré à nouveau par Nancy Moron. Belle sortie de balle. Ouais, attention avec le capitaine de Lavaux. Il a plusieurs possibilités. Il va trouver Quentin Carpentier. C'est bien défendu par Omongo. Mais qui rend le ballon. C'est vraiment intéressant la copie pour l'instant délivrée par les Nancéens. Alors certes, deux buts d'écart, c'est peut-être beaucoup hein, au regard de l'écart sur le terrain, objectivement, mais par rapport aux occasions et aux opportunités, c'est pas complètement illogique non plus, Kevin. Hein. Ouais, non, par rapport... je disais tout à l'heure, par rapport à la prise d'initiative, c'est pas illogique. C'est pas illogique. Les offensifs nancéens ont plus pesé sur la rencontre pour le moment que les offensifs messins. Ouais, clairement. C'est là que se fait la différence. Et pour l'instant, voilà, Mbala avec un centre de Dos Santos, mais c'est trop facile. Trop simple pour Kenzo Noël. Et on relance proprement. Et puis évidemment, il y a de la confiance. Hein, au fur et à mesure de l'évolution de la rencontre, il va y avoir de plus en plus de confiance pour les Nancéens. Attention à ce ballon avec Stouty. Allez, peut-être là avec Noah Marshall qui... pour trouver Diego Duarte, il y a une solution avec Hugo Arr. Mais il choisit plutôt de Ganziri vers l'intérieur du jeu, avec Mbala. Ganziri, mais c'est à ce moment-là que voilà, les médecins ils ont pu construire. Et puis après, il y a un retour défensif des Nancéens, il n'y a plus trop de solutions.
un vite repli ouais, du bloc équipe nancéen. On voit tout le monde derrière le ballon, donc il n'y a pas beaucoup d'espace à exploiter pour l'équipe messine. Noam Marshall, on est dans le camp nancéen. Et les 10 joueurs de champ de Nancy sont dans leur camp. Et là, il y a une erreur de transmission, un ballon qui est rendu trop facilement. Voilà, pour l'instant, je pense que Manu Giudicelli, là, il doit pas forcément être en phase avec ce qu'il voit sur le terrain de son équipe. Dans l'état d'esprit, notamment, dans le côté conquérant qui manque peut-être à cette équipe messine, qui va devoir quand même clairement changer quelque chose si elle veut renverser la tendance. Avec encore un bon ballon pour Nancy dans la surface de réparation. Ce sera un petit peu long, mais ça va être récupéré. Et ça sera un corner en faveur de l'AS Nancy Lorraine. Ouais, Tom, un petit mot sur l'ambiance bord-terrain. Ouais, exactement. Et puis surtout pour le coach du FCMS qui prend des notes avec son staff, peut-être en vue un changement de dispositif notamment, parce qu'on les voit vraiment en difficulté sur les 1 contre 1 là, depuis le début du match. Effectivement, merci Tom. Puis on attend surtout voilà, les réactions côté Messin à la mi-temps. Allez, coup franc pour un gaucher, pour Delaveau, le capitaine. On va chercher au premier poteau, comme de coutume. Quentin Carpentier, ça partait bien. Encore un ballon qui semblait cadré, mais qui est contré. Et là, ça va être plus facile pour Lucas Poza. Et voilà, il n'y a pas de solution rapide pour lui, hein, contrairement à tout à l'heure à son homologue Kenzo Noël, qui avait une solution, qui avait pu dégager loin et amener le premier but nancéen. Là, ben voilà, il y a une équipe messine arrêtée, donc il n'y a pas de solution, ni au près, ni au loin, pour le gardien. Diego Duarte, Niemagnon. C'est un peu long. C'est trop long, ouais. Ça va être facilement défendu. Dans les panoptiques du stade Marcel Picot. J'espère qu'ils ne sont pas fédales. Non, c'est Guessant. Ouais, quand même un petit peu au dos. Hein. Ouais. En retombant. Le défenseur est premier buteur de cette rencontre. En tout cas, une défense de Nancy qui ne s'est pas fait une seule fois déborder depuis le début du match. Hein. Ouais, si ce n'est peut-être tout à l'heure avec Mbala, hein, qui avait raté un peu son centre en retrait, mais qui avait fait cette petite apparition. Mais c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas vraiment de danger. Il y a eu quelques ballons à négocier pour Kenzo Noël, mais pas vraiment d'arrêt au propre sens du terme. Et là, Carpentier, il est encore en train de faire la différence. Ouais, face à deux Messins, il arrive à récupérer le ballon. Sabali qui change de jeu vers Moron, c'est bien joué. Malheureusement, le contrôle est raté, mais c'était bien joué dans l'esprit. Hugoar pour Metz. Et on voit Curbelo qui n'arrête pas de donner des consignes. On a l'impression que chaque joueur nancéen, il sait exactement ce qu'il a à faire. Il y a des zones pour faire le pressing, des zones où on ne les fait pas. Il demandait à ses joueurs d'aller cadrer, de pas reculer, hein, d'avancer sur le porteur. C'est vrai que les offensifs de Nancy, pour l'instant, ils font un bon match à l'image de Carpentier qui est venu défendre et qui va obtenir la touche. Bien joué. L'effort est récompensé pour le joueur nancéien qui va récupérer une touche. Et il y a 3 joueurs de Metz qui sont partis à l'échauffement. Donc a priori, ouais, il y a... Puis on voit Laurent Agouazi, hein, qui fait partie du staff aussi, qui, je crois, avait fait des missions à l'étranger ces derniers temps. Tout à fait. Au Vietnam, je crois, non, de mémoire. Laurent Agouazi qui avait les U17. Les U17, hein, ouais, c'est ça. Au FC Metz. En tout cas, il reste 1 minute et 10 secondes dans cette première mi-temps. Il y aura peut-être un peu de temps additionnel, notamment parce que le match avait été interrompu tout à l'heure en raison des fumigènes. Voilà, on va laisser passer l'action messine avec un contre Marshall qui reprend, mais c'est voilà, sans trop de conviction, même si le ballon ne va pas sortir. Ouais, il y a 2 joueurs nancéens à terre. Et là, c'est Moron qui obtient un coup franc et il y a effectivement 2 joueurs nancéens complètement à l'opposé. Hein. Je ne sais pas si on peut les avoir à l'image.
côté poteau de corner, ils ont l'air vraiment d'être en souffrance. Je crois que c'est, je me demande si c'est pas les, non c'est pas les deux buteurs parce qu'Nguessan il est là. Ça doit être Sabali, le numéro 8. J'ai pas trop vu ce qui s'est passé. C'est au niveau du genou pour Sabali et je pense que c'est Bismarck Adoma, le numéro 7. Ouais, qui avait déjà offert son corps tout à l'heure. Une partie de son visage en tout cas sur un ballon de Marshall. On va essayer de voir ce qui s'est passé là dans ce choc. Et là on le voit, là on le revoit là, ralenti. Ouais, là il y a une faute. Ouais. Puis effectivement il y a un tacle de Diego Duarte pour récupérer le ballon. Mais voilà, ça a été jugé licite par l'arbitre. Donc on continue. C'était effectivement Bismarck Adoma et Sabali. Voilà, on en profite pour se ravitailler. Et on voit là tout le staff messin qui est un peu aux abois, qui essaie de donner des consignes. Voilà, 2 minutes de temps additionnel, c'est ce que vient d'indiquer l'arbitre central, Baptiste Lambert. Voilà, pour l'instant, on a déjà 45 secondes au-delà du temps réglementaire dans cette première mi-temps. Alors que le soleil arrive ici à Nancy. Voilà, avec le retour sur le terrain. C'est vrai que c'est des conditions optimales. Hein. On a le petit soleil, il fait bon. Il y a du monde, tout c'est sympa. Il y a des buts, on ne s'ennuie pas, c'est parfait. Puis on espère surtout que vous êtes nombreux à nous suivre en direct dans ce dispositif mis en place par FFF TV qui retransmet les 4 quarts de finale de cette Coupe Gambardella. Avec le stade de Reims face au stade brestois, Rennes-Marseille et puis 3 Toulouse où on doit être normalement à la fin de la rencontre. On va essayer de vous donner le résultat final de cette partie entre 3 et Toulouse, puisque on le répète depuis le début de la partie, le vainqueur de ce match 3 Toulouse sera le prochain adversaire de Nancy ou de Metz. En gros plan, Gaston Curbelo, l'entraîneur franco-uruguayen de la SNL, avec encore Stuti. Là, un ballon pour Nimagnon. Il n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent, Nimagnon. Là, il y a une grosse faute quand même là, de Adoma. Un arbitrage pour le moment excellent. Excellent, proche des actions. Ouais, Baptiste Lambert, voilà, arbitre expérimenté qui évolue régulièrement à des niveaux comme le National 2, qui est supervisé d'ailleurs par Stéphane Villemain, qu'on salue, président de la commission d'arbitrage de la Ligue du Grand Est, et qui est présent ici à Marcel Picot, tout comme le président de la Ligue Grand Est de football, Albert Gamrich, qui a fait le déplacement également pour ce derby lorrain, avec qui Kevin, tu as pu discuter en avant-match. Tout à fait. Et puis il y a toute la presse qui est là, France Bleu, France Télévisions. Voilà, les journaux évidemment. Et c'est un coup franc pour Diego Duarte. Celui-là, il était bien tiré. Mais il est bien dégagé également. Et c'est la mi-temps. Ici à Marcel Picot, vous entendez les vivas des supporters nancéens. Alors on va essayer tout de suite d'avoir les premières réactions. Côté Messin, ce serait bien, Tom, pour avoir un peu ce qui se passe du côté de. Voilà, c'est du côté des Grenats. On va essayer d'avoir des réactions des joueurs. Voilà, il y a Yanis Ferrat de Lavaux, le capitaine nancéen, au micro de Tom Imbert. C'est parti, Tom. Ouais, Yanis, super première mi-temps. Vous avez le public. Vous êtes bien rentré dans le match. Ouais. Expliquez-nous un petit peu la première mi-temps. Ouais, c'était un match, on va dire, 50-50. Ils avaient un peu plus la balle que nous. Mais ils ne sont pas fait réellement d'action France. Nous, on a su être bon sur notre force, qui est les coups de pied arrêtés. Maintenant, rentrer au vestiaire avec 2 buts d'avance, il va falloir repartir de plus belle la deuxième mi-temps pour aller chercher cette qualification. C'est quoi justement le piège? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en deuxième mi-temps pour ne pas se faire revenir au score? Il ne faut pas s'affoler, il faut qu'on garde nos valeurs tous ensemble. Il ne faut pas que chacun essaye de jouer de son côté, on doit être une équipe solide, c'est ce qui fait notre force. Donc cette deuxième mi-temps, il va falloir faire pareil, même encore plus pour pouvoir tenir son score, parce qu'on sait qu'ils vont revenir à bloc aussi de leur côté. Merci Anis. Merci. Voilà, beaucoup de lucidité du côté
de Yanis Delaveau, le capitaine. Merci Tom pour cette réaction. On essaiera d'avoir une réaction Messine peut-être au retour des vestiaires, hein, Tom, pour voir un peu comment peut-être l'un des membres du staff ou le capitaine Messin, pour voir aussi ce qu'a dit ou ce que va essayer de livrer comme message Manu Giudicelli. Giovanni, ce que je propose, c'est qu'on voit rapidement les deux buts nancéiens et peut-être la frappe sur le poteau de Sabali. Et puis après, on enchaînera vers quelques messages de la Fédération française de football. Et voilà, ça c'est le but avec Quentin Carpentier. Alors il a été tout, hein, Quentin Carpentier. Il a été passeur là sur magnifique, magnifique. Franchement, la tête, elle est, voilà, il est au-dessus et il ne peut pas la mettre mieux au ras du poteau. C'est vrai, hein, qu'il arrive lancé en plus. Il peut en effet pas mieux la mettre. Et ça c'est Quentin Carpentier. Alors celui-là, je l'adore. Voilà, tout le monde l'attend deuxième poteau. Il est là comme un malin. Et donc c'est lui qui avait délivré la passe décisive et il marque ensuite, hein, même si Lucas Poza touche ce ballon. C'est super intelligent. Et puis je ne sais pas si on peut caler la frappe de Sabali sur le poteau, parce que c'est une très très grosse occasion également sur Lucas Poza. On le voit ici, Sabali prend tout son temps et il frappe en deux temps. Ouais, il y avait une frappe qui avait été contrée et là on voit en deux temps Lucas Poza qui s'interpose, même si je pense qu'il était sur la trajectoire du ballon. Kevin, on va se quitter quelques instants ici à Marcel Picot. Et puis bah, merci d'être avec nous. A priori, vous êtes très nombreux à nous suivre, donc on est ravis. Et on se retrouve d'ici quelques minutes pour suivre ensemble cette deuxième mi-temps. A tout à l'heure. Crédit Agricole, engagé sur tous les terrains depuis 50 ans. Nous sommes tous des joueurs, sur le terrain et dans nos cœurs. Le football nous fait grandir, progresser, vibrer. Il est notre feu, notre souffle, notre liberté. Il se transmet de génération en génération. Il se partage avec passion, sur le sable, le béton, le parquet ou le gazon. Il est émotion. Foot à 11, futsal, beach soccer ou foot en marchant, dans ton club, épanouis-toi, apprends en t'amusant. Joue collectif et rappelle-toi que c'est un jeu. 2024, la France reçoit. Plus que jamais, elle connaît l'enjeu. Dans nos clubs, célébrons et portons haut nos couleurs. Transformons nos rêves de grandeur. Animé d'une flamme mythique, l'aventure, c'est sûr, sera épique. Le foot entre en jeu.
7 minutes les gars, 7. C'est le moment des actes hein, les mecs. Hein. Faire, montrer ce que vous savez collectivement. Avec tout ce qu'il faut. Initiative, hein. Mais là pour créer, faire des différences, occasion, but. C'est mal. Allez. Dès le début, actif, énergique. Allez. Bon match. 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 Allez, ça suit les entre deux aussi, si on n'est pas haut, là qu'on reste bien dense et après on sort, hein. Sans se faire éliminer, mais on sort. C'est pas rester dans une zone et attendre, hein. Mais d'abord là. Allez, un peu plus de tranquillité, mais quand je dis tranquillité, c'est assurance. Après qu'on peut vite la lâcher et la mettre vers l'avant, c'est mieux. Serrez les dents, gardez la solidarité, quoi qu'il arrive. Et caractère, personnalité, avec le ballon, aussi. Et on griffe, on griffe. Pareil, bon. Content mais pas content, de but encaissé, mais content. On gagne ce deuxième match, donc c'est ça de positif. Alors vous avez une fin de saison qui peut être chargée, très chargée. Faites attention. Je sais que vous avez des échéances et des objectifs à atteindre, les uns et les autres. On y aura besoin fermé, début juin, de toute la fraîcheur nécessaire physiquement et psychologiquement aussi. Ok, bravo à l'ensemble du groupe, même si on n'a pas tout bien fait, mais au moins celui-là, on l'a gagné. Ok. We'll be right back.
Crédit Agricole, engagé sur tous les terrains depuis 50 ans. De retour ici au stade de Marcel Picot, ça va être la reprise dans quelques instants de ce match des quarts de finale de la Coupe Gambardella Crédit Agricole. Et pour l'instant, si vous étiez avec nous en première mi-temps, c'est la SNL qui mène 2-0 avec des buts signés Nguessan de la tête et puis par ce petit coup de malice signé de Quentin Carpentier, le milieu de terrain, avec ce coup franc tout malicieux qu'on attendait tous au deuxième poteau et qui est venu ouvrir la cage de Lucas Poza, donc pour permettre à Nancy de mener 2-0 à la pause. Alors première information, je rappelle que c'est Kevin Gatica, l'entraîneur des U19 de la Hispanie-Sambozelle, qui est notre consultant du jour. Kevin, on disait que 3 avait fait le boulot. Et pas tant que ça, parce que voilà, c'est 2-2 et c'est la séance des tirs au but. Elle est en cours ici, elle est en cours du côté du stade de l'Aube. Et alors, ces deux informations, Kevin, c'est que déjà le vainqueur de 3 Toulouse sera le prochain adversaire de Nancy ou de Metz. Et puis ça veut dire aussi que 2 buts d'avance à la mi-temps, ça ne suffit pas forcément. Tout à fait, ouais, on connaît l'importance du 3e but dans le football. On dit souvent que c'est le plus important. Donc c'est pas gagné pour Nancy encore. Il va falloir qu'il reste concentré parce que le 3e but a énormément d'importance. Alors je ne sais pas si Tom va pouvoir recueillir une. Et c'est 3 a priori, c'est qui s'est imposé au tir au but. 3 a gagné au tir au but. 4-2 au tir au but pour 3. Voilà, donc on connaît d'ores et déjà l'adversaire de Nancy ou de Metz. Et ça sera en Lorraine, quoi qu'il arrive. Ça sera ou à Nancy ou à Metz. Sa réponse dans 45 minutes. Mais en tout cas, c'est 3 qui est passé. Mais bon, voilà, qui s'est fait quelques frayeurs. Et là maintenant, ça va être compliqué pour les Messins qui vont jouer avec le Cup Nancéien. On va peut-être pouvoir le voir à l'image, les Saturday FC notamment. Voilà, qui vont jouer la bronca pour embêter Lucas Poza et les Grenats. Il y a beaucoup de discussions sur le terrain avec Manu Giudicelli qui est en train de donner encore des consignes. Il y a Laurent Aguasi qui est sur le terrain en train de parler au milieu de terrain. Pour l'instant, il ne semble pas qu'il y ait de changement, Kevin. Si, il y a un premier changement côté Messin. Ouais. Avec la rentrée du numéro 13. C'est Abdallah Mbemba qui va remplacer Hugo Har, le numéro 7. Changement pour l'équipe du FC Metz avec la sortie du numéro 7, Hugo Harré. Donc c'est peut-être effectivement un changement, peut-être tactique, on va voir ce qui se passe sur le terrain. Et on voit effectivement que, alors il me semble que Mbemba c'est plutôt un attaquant, donc c'est un milieu de terrain qui sort pour un attaquant et Diego Duarte qui va sans doute être plus dans le cœur du jeu. C'est sans doute le choix de Manu Giudicelli. Et sans doute qu'il a dû dire à ses joueurs, c'est pas perdu, regardez Toulouse. Ils ont réussi à remonter à 3. Peut-être avait-il l'information. Et côté Nancéen, pour l'instant, aucun changement. C'est le même 11. Avec là tout de suite un duel. Un beau duel là, remporté par Clarence Cocoro qui a pris le dessus. Défendu, hein. Mais attention à ce ballon qui est perdu. C'est De Lavaux qui cherchait dans la surface de réparation Stouti. Et les Messins vont pouvoir se dégager. Niemagnon, mais pas pour longtemps. Hugo Moron. Là, il est bousculé à l'épaule justement par le nouvel entrant Mbemba. Qui va pouvoir armer prier gauche. Et voilà une belle frappe Messine qui donne peut-être le tempo de cette deuxième période. Mbemba qui est a priori un gaucher qui joue à droite et qui rentre sur son pied gauche, sur son pied fort. Ouais, c'est la nouvelle mode, hein, les joueurs faux pieds qui jouent, les gauchers jouent à droite, les droitiers à gauche, de façon à rentrer à l'intérieur et pouvoir déclencher une frappe comme ce fut le cas à l'instant. Ouais, et puis là a priori on va chercher les Nancéens un petit peu plus haut. L'idée c'est de mettre un peu plus d'engagement, un peu plus de rythme. Diego Duarte qui a pu trouver Mbemba. Voilà, qui a réussi un petit pont. Mais pas totalement, puisque le ballon a été récupéré par les Nancéiens. Moron dans le jeu avec Stouti, qui décroche souvent à l'avant-centre Nancéien, qui revient volontiers dans son camp pour jouer dos au but adverse.
Et on n'a pas l'air de s'énerver beaucoup côté nancéen. On joue tranquillement. Mais on le disait, hein, Kevin, toi qui connais par cœur cette catégorie d'âge, gérer les matchs, c'est pas forcément ce qu'ils savent faire le mieux, hein, forcément. Non, c'est vrai que les entraîneurs ont de l'importance là dans ces premières minutes en seconde période, notamment quand on a deux buts d'avance, parce qu'il faut trouver le juste milieu entre le fait de ne pas s'endormir mais ne pas s'affoler non plus et ne pas aller trop vite. Et Nancy qui repart à l'assaut de la cage Messine. Et là pour l'instant ils ont un peu plus de mal les Nancéens dans ce début de deuxième période. Puis Mbemba il fait du bien objectivement, là il a eu 3-4 ballons depuis son entrée en matière. Némagnon qui va peut-être pouvoir centrer, il va peut-être pouvoir jouer avec Mbemba justement avec un centre deuxième poteau, ce qu'on ne voyait pas trop, hein, côté Messin, il y avait peu de centre, peu de solutions. Et là le ballon il est géré mais il ne veut pas sortir le ballon. Et finalement c'est le défenseur nancéien, Arsène Colas, qui est obligé de sortir le ballon, qui est rendu directement aux Messins, qui ont décidé de prendre un petit peu à la gorge, hein, ces nancéens en deuxième mi-temps, en début de deuxième mi-temps. Adam Marshall, Vanziri, Dos Santos sur le côté, qui obtient une touche. Mbala qui centre. Ouais, petit duel. Il y avait un peu d'impact physique. Chabali, ouais. Bien puissant. Hein. C'est vrai qu'il a gagné tous ses duels en première mi-temps. Avec Kokoro, il l'a senti à ses dépens. Il s'est un petit peu fait mal au poignet en retombant. Et c'est un coup franc pour le FC Metz. Marshall au milieu de terrain. Et il est à nouveau là, bien serré là, par Stuti. Diego Duarte, pied gauche. Les Messins qui récupèrent beaucoup plus de ballons là, hein, dans ce début de second acte, ici au stade Marcel Picot. On vous rappelle qu'il y a quelques milliers de spectateurs, hein, entre 4 et 5 000, qui ont fait le déplacement ici à Marcel Picot. Dans ce très beau stade qui peut accueillir 20 000 personnes au total. Mbemba, Marshall. Ballon monopolisé pour l'instant par les Messins. Les Messins qui ont perdu, on le disait, la bataille des tribunes. Hein, ils n'ont pas pu se déplacer. La préfecture avait limité la jauge de déplacement à 200 supporters. Et finalement, c'était en ce dimanche de Pâques un peu compliqué. Il y a quelques supporters, vous les voyez là à gauche de l'image. Ils sont une vingtaine en étant généreux. Donc cette bataille-là, elle est perdue dans ce contexte particulier, hein, si vous nous rejoignez de Derby Lorrain, toujours qui a agité la toile toute la semaine. Parce que comme il n'y a plus vraiment de derby au niveau des seniors, des équipes premières, dès qu'il y en a, c'est plutôt chez les jeunes. Hugo Morón s'est bien défendu et s'est récupéré par Stuti. Il n'y a rien du tout, dit monsieur l'arbitre. Et ça se chauffe un petit peu. Et Stuti va prendre un carton jaune. Un peu de provocation là avec Adam Marshall qui est venu lui reprocher sans doute d'avoir simulé. Donc c'est pas Grégoire Kstou, hein, c'est bien Stuti, Zakaria Stuti. Thank you.
Alors de mémoire, il y a eu un carton jaune en première période pour Noam Marshall et puis pour Dos Santos, me semble-t-il également. Tout à fait, ouais. Côté Messin, et donc un premier carton là pour Stuti. Bemba qui va encore chercher du pied gauche un centre, et c'est bien négocié par la défense centrale. On a l'impression que là pour l'instant Nancy a décidé de laisser le ballon. Stuti est en train de faire signe à ses coéquipiers d'aller un petit peu plus haut. Mais clairement, hein, que ce soit Carpentier ou Stuti, on ne va plus forcément chercher les défenseurs messins qui sont dans un fauteuil pour relancer. Mais qui pour l'instant, ce qui manque, c'est des occasions nettes pour les Grenats. Tout à fait, ouais, Nancy accepte de laisser le ballon à l'équipe de Metz. Avec un bloc médian, où ça coulisse bien et où on ne se fait pas prendre dans le dos. Donc, Carriez, bien défendu encore. Mais c'est encore récupéré par Duarte. Avec Daou. Ouais, mais c'est encore un centre là de Mbala, mais directement dans les gants de Kenzo Noël. Et ce sera un ballon qui n'a pas été touché, donc une touche en faveur des Messins. Et ça fait déjà 8 minutes que l'on joue dans cette deuxième période. Et pour l'instant, pas vraiment de danger sur la cage de Kenzo Noël. Les Nancéiens qui gèrent parfaitement cette deuxième mi-temps. Et il y a un changement a priori qui s'annonce du côté de l'AS Nancy-Lorraine avec l'entrée de Théo Giacchini, le numéro 14, qui est en train de se préparer. Un centre. Ah, bien joué. Et le voilà, la réduction du score. Et une petite faute de main là de Kenzo Noël, sans doute sur cette reprise de... On en parlait, hein, de la bonne entrée de Mbemba. Ouais. Ben là, elle est confirmée avec ce but là qui change tout à la 55e. On va revoir ça au ralenti. Ouais, petite faute. Super bien passé devant le défenseur. Ouais, après, il y a effectivement, elle passe un peu sous le ventre de Kenzo Noël. Ouais, alors là, évidemment, ça change un peu tout, hein. C'est ce qu'on disait, l'importance, Kevin, du troisième but. Là, il est pour les Grenats. Ouais, ça relance le match, hein, d'autant plus que les Messins sont mieux rentrés dans la partie que les Nancéens sur cette deuxième période. Ouais, puis évidemment, ça valide le discours et les choix du coach, hein, quand on fait rentrer un joueur à la mi-temps et que c'est lui qui allume les premières banderies et qui réduit le score, forcément, ça vient valider le discours du coach à la mi-temps. Et il n'y a rien de mieux pour booster une équipe. Niemagnon là qui est venu disputer le duel, même s'il rend le ballon. Là, il va falloir bien gérer les prochaines minutes pour les Nancéiens. Pas s'affoler. Delahaut qui cherche son côté droit avec Arsène Collin, avec un dédoublement. Il est passé. Il est passé encore Sabali, il fait un gros match. Ce garçon, oh, c'était bien joué. Tout petit peu trop en retrait pour Stuti. Allez, Niemagnon en vitesse, il va aller vite, mais c'est bien défendu par Guessant. Johan Guessant, celui qui avait marqué le premier but, le magnifique premier but nancéien de la tête. Très solide, hein, depuis le début du match, Nguessant. Allez, au prochain arrêt de jeu, il y aura le premier changement pour Nancy avec l'entrée de, on vous l'annonçait, de Théo Giacchini. C'est maintenant, a priori. Ballon récupéré par Stuti.
Carpentier qui fait l'appel, mais qui n'est pas trouvé là par Daou Cordier. Il est vraiment intéressant Mbemba depuis son entrée en jeu. Ouais, il a vraiment fait une bonne entrée. Plutôt dynamique, il n'a pas perdu beaucoup de ballons. Voilà, vous voyez en gros plan la Théo Gakini qui va faire son entrée en jeu. Il patiente le garçon depuis quelques minutes. Clarence Kokoro, il trouve Diego Duarte entre les lignes. Qui choisit son pied droit. Alors que le vent se lève un peu ici à Picot, hein, pas de, évidemment rien de particulier. Ça ne va pas forcément gêner les joueurs, surtout au ras du terrain. Et là, un bon ballon, mais il est hors jeu. Daou Cordier. On ne l'a pas trop vu encore hein, depuis le début du match. C'est plutôt dans l'axe du terrain ou sur le côté droit que se sont développées les attaques nancéiennes. Et Metz qui poursuit sa mainmise sur cette partie, sur cette deuxième mi-temps. Avec un dédoublement, Dos Santos le centre. Attention à ce ballon qui a été la claquette salvatrice là, de Kenzo Noël. Mais le ballon reste dans les pieds Grenat. Ouais, ils ont tendance un petit peu à reculer hein, les Nancéiens. Et le changement il va avoir lieu. Donc là on peut s'attendre aussi à une réponse tactique hein, de Gaston Courbello. D'ailleurs, il est en train de parler avec son capitaine. Le capitaine nancéen qui réclame le fait de jouer à deux numéro 6. Voilà, il a demandé au numéro 10 de reculer avec lui. Et c'est Bismarck Adoma qui avait été plutôt performant au début de match, qui cède sa place. Et sans doute que c'est sans doute l'entrée d'un milieu de terrain. Ouais, plutôt ailier. Et c'est Quentin Carpentier qui va descendre plus proche de son capitaine, plus proche de Delaveau, pour rééquilibrer un petit peu. Là, le voilà, l'ami Daou Cordier. C'est bien joué dans l'espace, c'est bien défendu également par Marshall. Stouti qui récupère le ballon. Qui a récupéré. Il est dangereux. Stouti. Ouais, un accrochage trop léger sans doute pour donner pénalty. En tout cas, c'est le choix de Baptiste Lambert. Ouais, qui était très bien placé en plus. Ouais, que nous validons parfaitement. En tout cas, ce match, il est clairement relancé. Alors qu'on on vient de dépasser l'heure de jeu ici au stade Marcel Picot. Et que tout reste possible dans cette rencontre. Alors, je ne sais pas si on a les résultats aussi pour l'instant des matchs entre Reims et Brest et entre Rennes et Marseille. En sachant que les équipes vainqueurs de ces deux rencontres se retrouveront en demi-finale. Il est passé. Bien joué. Mbala. Et ça sera réclamé une main, mais ça sera un corner. Ouais, Gaston Curbelo, il a l'air un peu dépité là. Le coach nancéien, il y a des choses qui a priori ne lui conviennent pas dans le replacement de ses joueurs notamment. Corner pour Diego Duarte et le FC Metz. Ouais, l'excellent pied gauche hein, de Duarte. Allez, on va suivre encore une récupération avec Adam Marshall. Mais c'est Delaveau qui il éclaire le jeu à Delaveau dès qu'il a le ballon. Il arrive à trouver des solutions même si Stouti n'a pas réussi à le garder. Alors on vous donne les scores hein, sur les autres terrains dans ces quarts de finale de Coupe Gambardella Crédit Agricole. On vous rappelle que 3 s'est qualifié au tir au but. Hein, 3 qui menait 2-0, qui s'est fait rattraper par le TFC, par Toulouse.
et qui s'est finalement imposé au tir au but, 4-2. Et pour l'instant, c'est un partout entre Reims et Brest. Match qui se joue au centre de vie Raymond Coppa. Et c'est un partout également entre Rennes et Marseille. C'est au match qui se joue au Roazhon Park de Rennes. Avec le nouvel entrant. Hein. Voilà, Théo Gacchini. Il est passé. Ah, il résiste. Carpentier qui centre. Récupération de Stuti qui retrouve Delaveau, son capitaine. Ah, ça va permettre à cette équipe de Nancy de respirer un peu là après 10 minutes un peu compliquées. Là encore un bon ballon, hein, bien distillé là par le capitaine nancéen. Il se trompe rarement, hein, le capitaine nancéen quand même. C'est... Ah, que ce soit le jeu, ouais, jeu long, jeu court, il sait tout faire ce garçon. Diego Duarte, 1-2 avec Marshall. Allez, on a changé de positionnement. C'est Mbala qui est venu côté droit maintenant. Et le gaucher, l'entrant, le buteur. Mbemba, il est retourné côté gauche. Et on a envoyé des joueurs à l'échauffement. Et notamment, je crois, Damien Stegman, qui est un attaquant. J'ai vu là, l'échauffement côté Messin. Et là, vous voyez en gros plan Manu Gudicelli, le coach très expérimenté. Hein, il a notamment officié du côté des Girondins de Bordeaux, du FC Sochaux-Montbéliard, donc de multiples parcours dans les différents centres de formation, dans cette coupe Gambardella Crédit Agricole. Beaucoup de phases finales aussi dans les différents championnats U19. Sabali, Carrier, Kenzo Noël qui retrouve Sabali. Voilà une phase où le pressing met des temps faibles, il y a des récupérations, il y a tout ça, Kevin, hein, il faut gérer. Tout à fait, ouais, surtout quand le score est à 2-1 parce que le dernier quart d'heure est important et il faut récupérer justement avant, entre guillemets, le sprint final. Le temps additionnel. Et rien n'est fait depuis ce but de Mbemba que vous voyez là avec le ballon. Là, c'est bien joué avec Evan Cordier. Daou Cordier, il rentre dans la surface de réparation, il frappe croisé. Il a résisté au retour. Ouais, il s'est fait tout seul. Ouais, c'était. J'ai dit qu'il avait eu une première mi-temps un peu en demi-teinte. Bah, il a tout fait tout seul. Un super ballon en profondeur. Et il peut célébrer devant les supporters nancéens. C'est ça les moments sympas pour un jeune joueur comme lui. Erwan Daou Cordier. On va revoir ça parce que le ballon, il est magique. Magnifique. Le ballon, magnifique. Super bien dosé. Après, évidemment, il fait la différence. Hein. Voilà. Vous êtes 3630 spectateurs en tribune. Bravo à vous. On peut voir qu'il fait sa course devant le défenseur. Il coupe la course du défenseur. Il laisse le défenseur à distance et ça lui permet d'ajuster après le gardien. Est-ce qu'on a on peut recaler Giovanni l'action avec le ballon, la passe, hein, parce que c'est. J'aimerais bien qu'on puisse au moins féliciter le passeur parce que c'était. La passe elle est magique, même si effectivement Erwan Daou Cordier il fait la différence dans la surface de réparation et c'est parfaitement terminé. Voilà, alors que des joueurs sont venus prendre des consignes du côté du banc. Ouais, et puis a priori, il y a un joueur qui est blessé.
ça a l'air d'être notre buteur d'avant, Quentin Carpentier, qui se fait soigner, a priori, du côté... petit saignement, je crois. Petit saignement, oui, au niveau de... J'ai l'impression que c'est au niveau de la pommette ou de l'œil. Alors, Giovanni, je ne sais pas si on peut recaler la passe, mais elle était magique, cette passe. Parfaitement dosée dans l'espace. Ouais, alors, Tom, on a des infos sur l'état de santé de Quentin. Exactement, blessé à l'arcade apparemment, qui est saignement donc sur le maillot, donc il ne peut pas revenir sur le terrain tout de suite. Effectivement, on voit le staff médical nancéen en train de s'affairer autour de lui, et ça a l'air d'être au niveau de la pommette gauche, hein, de l'arcade. On est en train de lui poser, ouais, c'est l'arcade effectivement, on est en train de lui poser un petit strap. Il va pouvoir reprendre sa place, un joueur important, hein, qui a été très très bon. Mais l'arbitre, évidemment, on va vérifier l'état de santé, le saignement. Aucun souci. Et là, il y a deux changements qui se préparent du côté du FC Metz avec, je l'avais reconnu tout à l'heure, Damien Stegman, le numéro 15, et le numéro 14, Alessio Martinez. On a revu en même temps la passe, hein, magnifique, vers Erwan Daou-Cordier qui vient redonner deux longueurs d'avance à l'AS Nancy-Lorraine. Les deux changements avec la sortie de Marshall. En tout cas de Noam Marshall, le numéro 8. Remplacé par Alessio Martinez. Donc là, a priori, c'est du poste pour poste. Et Damien Stegman qui va aussi faire du poste pour poste, hein, parce que c'est un avant-centre. Donc il va remplacer Maïn Imanion. Donc peut-être que, Kevin, comment on l'interprète, la sortie d'Imanion, qui est quand même le buteur attitré de l'équipe, c'est que... Sans doute qu'on est un peu déçu de son rendement du jour. Ouais, je pense que le coach n'est pas totalement satisfait de son rendement, en effet. Et puis, bon, c'est sûr qu'à 3-1, le coach est obligé de réagir et de tenter quelque chose. Alors, je crois que Damien Stegman, il avait été décisif contre Bourg-Péronas, me semble-t-il. Mais il n'était pas rentré en jeu contre Lorient. Peut-être que les circonstances de jeu ne s'y prêtaient pas. Mais c'est un attaquant, plutôt un buteur habile. Donc, on va voir s'il arrive à redonner un peu d'élan à son... Là, Diego Duarte, il a été victime d'une faute. Et ça va être un carton jaune pour Sabali. Logique aussi, me semble-t-il. Hein. Oui, oui. Il est pris de vitesse, ouais. J'espère que Diego Duarte s'est pas fait mal. Déjà qu'il a le poignet droit bandé. Là, j'ai l'impression que c'est au niveau du tendon. Pris un petit coup. Et le soleil qui est de retour à Pico. Et les nuages sont pas loin. On les voit sur le côté gauche. Donc c'est pas dit que ça dure, mais voilà, on en profite. Il n'a pas forcément fait très très beau ces derniers jours là pour le week-end pascal dans le Grand Est. Et on va reprendre le jeu avec un coup franc. Ouais, c'est au niveau du tendon, effectivement, du pied droit. Un petit coup sans doute. Un joueur important, Diego Duarte, dans le dispositif du FC Metz. Et c'est un des deux entrants, Alessio Martinez en l'occurrence, qui va exécuter ce coup franc. Beaucoup de Messins dans la surface de réparation. Allez, pour Metz, évidemment, ce serait l'idéal de marquer maintenant. Ah, avec une feinte. Ouais. Diego Duarte. Ouais, mais là, non. Ça a été bien vu, là, et Sabali, il oblige Metz à reculer. Là, pour l'instant, au niveau des combinaisons, il n'y a pas photo. Hein. C'est Nancy qui a gagné. Avec ce but de Carpentier tout à l'heure, là où les tentatives messines, pour l'instant, elles n'ont rien donné. Là, peut-être ce centre. Et c'est derrière la cage. Et ça sera un dégagement au 5 m50 pour Kenzo Noël, qui avec ses coéquipiers, il lui reste 18 minutes à tenir, 18 ou un peu plus, 20 peut-être. Et ensuite, ça sera la certitude sans doute de rejouer ici au stade Marcel Picot face à l'Estac 3.
Pour une place au Stade de France, ouais. Pas au Stade de France, hein, c'est à Lille cette année. Ah, c'est à Lille. Oui, parce que la finale de la Coupe de France s'est délocalisée. La finale est délocalisée à Lille, compte tenu du fait que le Stade de France est en préparation pour les JO. Pas disponible donc pour la finale, mais on sera dans le modèle classique. Finale de Coupe de France, puis finale, enfin finale de Coupe Gambardella Crédit Agricole, puis finale de Coupe de France. Dont on rappelle, vous l'avez vu si vous étiez avec nous à la mi-temps, que les demi-finales ont lieu à partir de mardi, hein, je crois. La première mardi et mercredi, ensuite la seconde. Ça s'est bien joué. Il n'y avait pas de médecin à la réception. Kokoro, il n'a pas réussi à trouver un coéquipier. Il est encore là, dans la tête. On ne s'embarrasse pas côté nancéien. Le numéro 14, Messin, qui a fait une rentrée plutôt dynamique. Hein. Sur deux accélérations. Intéressant, effectivement, Alessio Martinez. Un profil un peu différent. Il conserve le ballon. Mbemba, également un entrant. Sacré combat. Ouais, et là, ça sera un bon coup franc et ça sera même un jaune pour Nguessan. Ouais, je pense que c'est peut-être... bon... Voilà, mais je pense que c'est certainement douloureux. C'est certainement douloureux. Parce que je pense que le pied a ripé sur le ballon. Il est venu s'encastrer sans doute dans le tibia du joueur messin, Alessio Martinez en l'occurrence. Voilà, on s'énerve un petit peu sur les bancs. Rien de bien grave. On voit Nabil El Yaghoubi là, le DG de la SNL qui vient calmer tout le monde, Laurent Agouazi. Il y a un peu d'énervement, c'est normal, il y a un peu de frustration côté Messin. Je ne sais pas si on peut revoir ce qui s'est passé, Giovanni. Cette faute qui a donné lieu à un carton jaune, le troisième hein, pour Nancy. Puisqu'après Stouti et Sabali, c'est Johan Guessant qui a été sanctionné. Excès d'engagement sans doute. Et bon coup franc à venir pour le FC Metz et sans doute pour l'artificier en chef Diego Duarte. Alors, il a un bon pied, hein. Il a un bon pied. Alors on va laisser le coup franc et on verra au besoin la faute alors que... L'arbitre va venir calmer un peu les bancs. Ouais, l'arbitre est appelé par le délégué. Voilà, on a revu là à l'instant la faute où effectivement il y a un peu d'excès d'engagement. Je pense que le pied vient terminer là. Voilà. Et puis il y a une sanction à venir pour le banc messin. Et c'est Laurent Agouazi qui écope d'un carton rouge. Bon, voilà. Sans doute des propos qui ont été tenus. Ouais, Tom Imbert, est-ce que tu as des explications, Tom? Ouais, Tom. Ouais, exactement. Échauffourée entre les deux staffs, avec notamment Cédric Lécluse. Voilà, un petit peu tendu au bord du terrain, notamment dû à la faute qu'il y a eu sur le terrain. Voilà, les bancs, historiquement, on sait, sont un petit peu, un petit peu tendus entre les deux clubs. Allez, on retourne au jeu et à ce coup franc, cet excellent coup franc pour Diego Duarte. Avec, alors, il y a deux murs. Hein. Il y a un mur Grenat devant un mur nancéien. Diego Duarte, il sait qu'il a une balle importante à un quart d'heure du terme où il peut remettre son équipe à une longueur. Allez, l'essentiel, c'est ce qui se passe sur le carré vert ou le rectangle vert plus exactement. Diego Duarte, son pied gauche, c'est contré. Et c'est même stoppé par le gardien. Il n'y aura même pas de corner. Ça a été dévié par le mur nancéien. Et on relance à la main avec Hugo Morón. Carrier, Delaveau, qui est contré. 13 minutes 30. Encore à jouer ici à Picot. On a vu un Gaston Curbelo qui demande à ses joueurs de ne pas tomber dans la facilité et dans l'endormissement. Il demande à ce qu'on conserve le rythme. Mais il peut être content quand même le coach franco-uruguayen de la SNL parce que
Franchement, pour l'instant, ces joueurs, ils répondent totalement présents. Et même quand ils ont été un peu en difficulté, ils ont su se montrer dangereux à l'image de ce garçon qui ne tiendra pas de faute, mais qui a marqué un troisième but. Voici finalement, l'arbitre s'est ravisé et donné un coup franc en faveur de Erwan Daou-Cordier. Ah, c'est bien arbitré, il a vraiment pris le temps. Ouais, il fait mal, hein, Erwan Daou-Cordier, depuis le début de la reprise. Autant il avait été discret en première période, autant là, il fait très très mal. Tout à fait, ouais. Et là, quand on dit coup de pied arrêté, il y a un certain Quentin Carpentier, passeur décisif sur le premier but, buteur sur le deuxième. Alors qu'est-ce qui va nous sortir là? Ah ouais. Personnellement, j'ai adoré ce joueur. Hein. Petit gabarit, mais très intéressant dans très ses... Influent, hein, très influent. Très influent, très intéressant dans ses appels, avec son capitaine évidemment aussi, qui a été très bon. C'est tiré fort, mais c'est dégagé. C'est repris en deux temps. Et les Nancéens qui vont repasser par leur base arrière avec Moron. Hop. Ah, il s'est trompé. Et Erwan Daou-Cordier, il est là. Et il fait la différence, mais cette fois-ci, c'est le gardien qui s'interpose. Lucas Pausa. Ouh, ils ont eu chaud, les Messins. Là. Le match, il a failli être plié totalement. À la 79e minute, là on va revoir ce qui s'est passé. Il s'est complètement troué, Adam Marshall. Et là Cordier, on pense qu'il a fait la différence, mais il vient frapper côté fermé. Côté fermé, ouais, ouais, tout à fait. Il a voulu surprendre le gardien. Et là évidemment, à 4-1, ça aurait été quasiment la fin des espoirs messins. Mbemba s'est contré, récupère encore par l'ami Quentin Carpentier. Il fait un très bon match. Carrier, Moron sans doute. Les Messins là, qui essayent de reconstruire, de retrouver un petit peu des phases de jeu. On repasse par Diego Duarte qui a vraiment repris un rôle axial, hein, principal dans la création. Tentative de retourner acrobatique. Et attention, et c'est bien intercepté par Kenzo Noël. C'est un peu brouillon quand même ces attaques messines, hein, Kevin. Ouais, c'est vrai que c'est brouillon. Ouais, c'est le bon terme. C'est un peu approximatif, les ballons n'arrivent pas vraiment au bon endroit. C'est pas net, c'est pas précis. Bon retour là d'Alessio Martinez. Mbemba. Mais on est très loin. Il faut remonter tout le terrain ici à Picot pour essayer de porter le danger devant la cage de Kenzo Noël. Et il y a un numéro aussi de. Il y a un changement. Hein. Côté de Nancy, le numéro 15 qui va rentrer en cours de en jeu. Kamel Tedjini. Qui va faire son entrée en jeu. Et c'est un corner, donc je pense qu'on va attendre sans doute que le corner et la phase de jeu qui va suivre soit terminée. Et à Nancy, c'est simple, hein, il y a le seul Erwan Daou-Cordier qui reste aux avant-postes, tout le monde défend. On peut le laisser tout seul devant, hein, ça pose pas trop de problèmes. Il est tellement puissant, tellement rapide que... Il peut se débrouiller tout seul. Ouais, et puis ça oblige les Messins à laisser deux joueurs en vigilance. Allez, corner Messin. Avec Diego Duarte au deuxième poteau. Ouais, Kenzo Noël, là, ça n'a pas été très net. Hein, ouais. Non plus, sa petite claquette, heureusement qu'elle n'a pas retombé favorablement pour un Messin. Et il y aura un corner de l'autre côté. Cette fois-ci, on va tirer puisque c'est toujours le gaucher Duarte, donc ça sera une trajectoire normalement sortante.
Diego Duarte et son pied gauche. Ouais, il n'y a personne, il n'y a pas de grenat à la retombée. Et là, c'est simple, on va envoyer Erwan Caucordier. Il fallait pas se tromper, hein, pour Tairis Dos Santos. Un joueur ancien s'est claqué, il me semble, sur... C'est Sabali. Sur son genou. Ouais, Sabali. Avec un petit geste amical, hein, de Gaston Courbelot. On voit qu'il y a de la complicité aussi avec ses joueurs. Et ça va continuer, hein, il est sur tous les fronts. On le rappelle, hein, il joue le haut de classement du championnat de 18-1. Et c'est exceptionnel d'emmener une équipe de niveau régional, même si c'est l'AS Nancy-Lorraine, même si on sait que cette équipe, elle n'a rien à faire au niveau régional, mais elle y est. Et il a réussi à emmener son groupe peut-être en demi-finale de la Coupe Gambardella, à moins que Diego Duarte en décide autrement. Ça ne sera pas le cas sur cette frappe qui passe au-dessus de la cage de Kenzo Noël. Mais en tout cas, ça permet, on le sait, hein, Kevin, dans cette période-là de mars-avril, c'est le moment où les contrats sont renouvelés ou non dans les centres de formation. Donc c'est toujours des périodes un peu de flottement dans les effectifs de U19. Alors de temps en temps, c'est bien pour les équipes amateurs qui jouent le maintien, parce qu'il y a cette période de flottement. Mais là, pour Nancy, ça évitera les flottements, parce qu'une demi-finale de Gambardella, évidemment, ça se prépare à fond. Tout à fait, ouais, les garçons vont rester mobilisés et concentrés et investis. C'est vrai que les clubs amateurs en 19, on regarde souvent le calendrier à sa sortie pour regarder à quel moment on joue les clubs pro, et on aime bien les jouer, en effet, entre avril et mai. Et donc, on le rappelle, il y a un match formidable. Allez, du côté du stade Jean Bérini, ça sera face à l'OL qui joue encore, hein, qui est en course pour la deuxième place du groupe. La lutte avec le Racing Club de Strasbourg de mémoire, qui lâchera donc pas facilement des points, mais il y a un bon match. Et puis voilà, c'est l'occasion de voir l'équipe de Kevin Gatica, notre consultant, face à l'OL. Ça sera le 13 avril, je crois, non, c'est ça? Tout à fait. Au stade Jean Bérini. Alessio Martinez. Mais il est bien chassé là par le nouvel entrant, Kamel Tejini. Mbemba. Ouais, mais il rend le ballon à Matteo Macchiarini. Attention à ses pertes de balles. Il ne faut pas offrir trop d'espoir. Voilà, 4 minutes de temps additionnel. C'est ce que vient d'annoncer le speaker du stade ici à Marcel Picot. Et pour l'instant, ça. L'arrière gauche lancéen aura fait un gros match aussi. Hein. Hugo Moran, il s'est. Au courage, il ne s'est jamais fait dribbler. Ancien pensionnaire du centre du Pôle Espoir, hein, de Nancy, Pôle Espoir Grand Est, dont on salue le directeur Jean-Robert Fauché. Voilà, ballon, laisse le ballon, garçon, voilà. Ouais, il y a un peu de dépit, là, on le sent dans l'effectif messin qui ne semble plus trop y croire. Forcément, 2 buts à remonter dans les arrêts de jeu. Bien sûr, on sait que c'est arrivé, hein, tout est possible dans le football, mais quand même, il n'y a pas eu assez d'occasion pour nourrir cet espoir objectivement du côté des Grenats. Et on va faire la fête sans doute à Marcel Picot, ça va être sympa, et on va vous faire vivre ça, évidemment, en direct. Pas de faute. Puis on essaiera aussi de vous donner les scores, grâce à Julien Lautin, les scores des matchs entre Brest et Reims et les matchs entre Rennes et Marseille pour vous donner en direct la composition des demi-finales. Pour l'instant, on s'oriente vers un match Nancy 3, ici sans doute à Picot en demi-finale. Et sans doute que cette qualification va donner envie à d'autres supporters de Nancy, à des fans de foot, de venir encourager cette belle équipe de Gaston Curbelo. Bien joué, bien négocié par le gardien, Kenzo Noël, qui aura fait son match. Hein. Il s'est un peu trompé sur le but, ça arrive, hein, évidemment. Erwan Daou Cordier, il va obtenir encore un corner, c'est bien ce qu'il fait en deuxième mi-temps.
Il a fait beaucoup d'efforts, il a marqué un but, il a failli en marquer un deuxième. Ouais, alors je crois qu'on t'entend plus, Kevin. Voilà, on va essayer de changer la batterie. Voilà, c'est le micro, ce sont des choses qui arrivent. Allez, on est dans les arrêts de jeu ici au stade Picot. 3-1 pour Nancy. Avec encore peut-être là un des entrants, Kamel Tejini. Et une frappe qui passe juste à côté de la cage de Lucas Poza. On va revoir ce qui s'est passé. Ça a été contré. Ouais, bien joué, Tejini. Il ouvre sur son pied gauche. Et voilà. Les supporters de Nancy qui font la fête dans la tribune Jacquet ici au stade Marcel Picot. Et il reste 15 secondes et c'est sans doute terminé. On va pouvoir célébrer cette qualification. Non pas étonnante, hein, on s'attendait Kevin à un match serré, clairement. On s'attendait à un match serré en effet. Nancy a mieux négocié ce match et mérite sur l'ensemble du match là, sa qualification. Alors Tom, on compte sur toi pour les réactions. Et voilà la réaction de Gaston Curbelo. Voilà la joie des Nancéiens et le dépit forcément des Grenats. Voilà, il y a eu un peu de chicaillerie, mais voilà, ils vont aller célébrer. Les Nancéiens, ils vont aller célébrer. Ils l'ont mérité, hein, franchement, les joueurs de Gaston Curbelo. Tom, ce serait bien qu'on ait une réaction peut-être du coach Gaston Curbelo, maintenant qu'il est délivré, pendant qu'on voit les images de la célébration des joueurs. On va rappeler quand même les buteurs aussi, Kevin, avec Nguessan qui avait inscrit le premier but. Puis ensuite, c'était ce coup franc très malin de Quentin Carpentier. Et puis enfin, Erwan Daou-Cordier qui a porté le score à 3-1, alors qu'entre-temps, c'était Mbemba qui était venu ramener le score. Abdallah Mbemba entre en jeu. Voilà, ça c'était le scénario de ce match. Kevin, j'ai envie de dire qu'elle est méritée, elle est logique cette victoire nancéenne aujourd'hui. Ouais, tout à fait. Qualification méritée de l'AS Nancy Lorraine qui a mieux négocié ce derby. Effectivement. On va essayer d'avoir une réaction aussi, Tom, peut-être réaction du côté messin. Parce qu'on ne les a pas entendus hein, ni à la mi-temps ni à la fin du match. Alors bien sûr, ils sont déçus. Voilà, maintenant, peut-être voir aussi l'analyse qu'ont pu faire les messins. Peut-être le gardien Lucas Poza. Voir un petit peu ce que. Évidemment, même s'ils vont aller saluer. On va essayer de récupérer la réaction de Lucas Poza pendant que les Nancéiens célèbrent. Ouais, Lucas Poza avec Tom Imbert, le gardien et le capitaine Messin. Oui, Lucas, match difficile ici à Nancy. Vous perdez 3-1. Expliquez-nous un petit peu ce match. Non, voilà, je pense que c'était plus. Un manque d'envie, ils avaient plus envie, on a mis notre but, on a essayé de revenir, mais ça a été compliqué, mais on n'a pas démérité, on s'est battu, et voilà, c'était compliqué, mais on sort la tête haute, et on aura notre revanche un jour. C'est difficile de jouer dans un contexte comme ça, à l'extérieur, est-ce que ça joue aussi sur votre match et votre entame de match notamment? Non, je pense que... On est préparé à tout type de scénario. Là, on savait que ça allait être un derby, contexte compliqué avec des supporters. On avait pris ça aussi en compte dans la préparation, mais voilà, ça s'est payé. C'est pas ça qui a joué aujourd'hui, je pense. Merci beaucoup, merci. Il y a l'image, la célébration des jeunes joueurs de Nancy avec leur club, de belles images de football. C'est bien, une belle expérience, on en parlait Kevin, c'est des moments forts dans la carrière d'un joueur. Et cette coupe finalement pour ces garçons qui sont dans les centres de formation, c'est le seul moment où on a des matchs fatidiques, parce que toute l'année on dit ouais, on est là pour faire de la formation, le résultat blablabla. Là le résultat il compte.
le résultat compte et ça vient récompenser tout le travail de formation fait à Nancy. Je suis très heureux pour mon ami Nicolas Florentin, directeur du centre, qui est de Pagny en plus. Donc forcément, je suis très content pour lui. Et très content aussi pour Gaston, qui est un super mec, un super entraîneur. Donc vraiment très très content pour ces deux garçons. Et ça vient récompenser encore une fois tout le travail des éducateurs de Nancy qui travaillent bien. Évidemment. Et regardez cette belle célébration. C'est génial, ces moments de foot. Alors évidemment, il y a de la déception à Metz, hein, Metz qui aurait aimé, sans doute, dans des moments difficiles vécus à l'image du match hier contre Monaco, avoir ces sourires, ces moments de plaisir. Mais bon, voilà, c'est comme ça, c'est le football. Et là, c'est Nancy qui en profite. Alors on connaît, Kevin, les affiches des demi-finales. Alors il y avait 4 équipes du Grand Est en quart, et il y en aura 3. 3 équipes du Grand Est en demi-finale. Reims est passé tout à l'heure contre Brest. Ça sera Reims, Marseille et Nancy 3. Donc autant vous dire qu'on va vibrer dans cette Ligue du Grand Est en Coupe Gambardella. Magnifique, hein, magnifique. Pour notre belle région. Magnifique. Voilà, 3 clubs sur 4. Et sous les yeux du président de la Ligue Grand Est, Albert Gamrich. Alors on va peut-être même essayer d'avoir peut-être une réaction tout à l'heure, si on peut garder l'antenne. Mais voilà, c'est des grands moments de foot. Des beaux moments de foot. Et j'espère, Tom, qu'on va pouvoir une réaction peut-être du capitaine de Lavaux, parce qu'il a fait un super match, ce garçon. Voilà, là, il pose avec la banderole anti-Metz. Bon, je suis pas sûr que ce soit le truc le plus malin à faire en ce moment, mais bon, c'est comme ça. Ça fait partie du derby. Et puis là, voilà. Les coachs. Voilà, les coachs, exactement. Cédric Lécluse, il lui dit non, mon grand, il y a autre chose à faire. Soyez intelligent, profitez de la fête. Le football, c'est pas la guerre, de loin pas. Voilà, on va avoir une réaction. Alors, qui va aller au micro de Tom Imbert? On va quand même laisser. Voilà, c'est l'ami Stouty. Zakaria Stouty. À hauteur d'un grand match. Hein. Zach, match incroyable, victoire 3-1 dans ce derby. Comment vous expliquez un petit peu ce match? Est-ce que ça a joué aussi ce stade et ce public? Ouais, c'est sûr que ça a été notre atout majeur, le public, parce qu'on a eu des temps faibles, surtout en fin de première mi-temps où on menait 2-0. Et c'est grâce au public qu'on a pu aller chercher les ressources nécessaires pour pouvoir tenir jusqu'à la mi-temps. Et ensuite, on sent qu'à chaque action, ils nous ont poussé, donc c'est que du positif. Vous êtes déjà en demi-finale de cette compétition. Vous commencez sérieusement à penser à peut-être la victoire? Ouais, c'est sûr que là, une fois qu'on est en demi-finale, on pense direct à la finale et nous, on n'a pas de limite. Parce qu'on sait qu'avec le groupe là, on peut tout faire, on est soudés. Il y a une vraie dynamique de groupe justement, ça fait plusieurs tours que vous passez à chaque fois à l'arrache et des fois des grosses victoires larges. Comment vous expliquez justement cette dynamique de groupe? C'est l'état d'esprit, c'est le numéro un dans l'équipe. C'est ça qui nous réunit tous, l'état d'esprit ici. On sait qu'avec les valeurs de ce club, l'état d'esprit passe en premier et voilà, c'est grâce à ça qu'on passe. Merci, bravo Zach, bravo. Merci Zakaria Stouty, merci Tom. Alors Tom, mission pour toi, récupérer la photo exclusive dans le vestiaire ou sur le terrain, peu importe, mais ce sera la photo officielle. Et puis tu peux dire à Gaston Curbelo qui jouera contre 3. Et Tom, si on peut avoir l'info, hein, d'ailleurs la certitude peut-être auprès de Nabil Eliagoubi, le directeur général, que le match aura lieu ici à Picot. Hein, donc les deux demi-finales, c'est donc peut-être qu'on va. Voilà, Nabil, il est à côté de toi, Tom. Peut-être essayer d'avoir une réaction en direct de Nabil. Voilà, est-ce qu'on peut avoir l'info en direct? Ouais, alors Nabil Ayoubi, le directeur général de l'ASNL, avec Tom. Allez Tom, on t'entend? Ouais, malheureusement, on n'entend pas Tom. Voilà, il est avec Nabil Eleghoubi, le DG de l'AS Nancy Lorraine. Voilà, donc, a priori, ça sera le 4 mai. Ok, Tom. Ouais, Tom, si tu peux féliciter de ma part hein, Gaston Curbelo, qui est juste derrière toi. Ouais, Tom, on t'entend pas, malheureusement. Voilà, la célébration.
Ouais, Tom, derrière toi, Gaston Curbelo, si tu peux le féliciter de ma part. Voilà, Gaston Curbelo qui a fait un gros match. On va faire peut-être, allez Tom, la photo officielle aussi de l'AS Nancy Lorraine, c'est important. Voilà, Nabil El Yaghoubi, on va pouvoir l'entendre dans quelques instants. Voilà, c'est parti avec Nabil El Yaghoubi, le directeur général de la SNL. Oui, Nabil, victoire 3-1 du coup en quart de finale. Vous êtes qualifié en demi-finale. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des informations justement sur la demi-finale contre 3, je crois, qui s'est qualifié également. Est-ce que ça va se tenir au stade Marcel Picot? Bah écoutez, j'ai envie de vous dire qu'on s'est donné les moyens aujourd'hui d'organiser ce match au lendemain d'un match de championnat à domicile pour l'équipe première en national. Les demi-finales, me semble, sont le 4 mai, week-end où nous on joue à l'extérieur. Donc vu ce qui a été montré aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ne se redonne pas les moyens de leur offrir la possibilité d'évoluer de nouveau à Picot. Donc rendez-vous à Picot le 4 mai. Merci beaucoup Nabil. Merci Nabil, félicitations à l'ensemble du club de la SNL. Et puis la pluie, comme par magie, elle a attendu la fin du match pour tomber. Voilà, et en tout cas nous on sera là hein, si bien sûr nos amis de FFF TV nous proposent ce challenge, on sera là pour vivre ensemble cette demi-finale de coupe Gambardella Crédit Agricole. On a vécu une très très belle après-midi de football, c'était très plaisant. Merci Kevin de ta présence. Mais de rien, merci à vous pour l'invitation. Et puis on va revoir évidemment les quatre buts de cette partie. Avec en première mi-temps un but magnifique de la tête de Johan Guessant. Dès que c'est prêt, Giovanni, on le revoit, le corner, il est magnifiquement tiré par Quentin Carpentier, magnifiquement terminé par Nguessant. Tête au ras du poteau, et puis là c'est une frappe sur le poteau. Non, ça c'est Quentin Carpentier, je crois que pour moi c'est le but du match. Ah, c'est le but il du est match. Génial, ouais, il est génial. De la voilà. Prise d'initiative, magnifique, magnifique. Génial, et puis bah, après il y a eu une réaction Messine. Et là, on le voit avec Mbemba qui vient couper. C'est bien joué. Et là, le gardien ne s'y attend pas. Et ça relance les Messins avec l'entrant Mbemba. Mais ça ne dure pas longtemps. Et là, c'est Sabali. Là, il met un ballon, une régalade. Ouais, après, évidemment, il fait le boulot. Il fait le boulot, ouais, clairement. Avec Obongo qui ne peut pas défendre. Frappe croisée, petit filet. Du football magnifique et une victoire 3 buts à 1, logique sur ce qu'on a vu. Merci encore Kevin de ta présence, merci à l'AS Nancy Lorraine pour son accueil et on a eu des conditions de travail remarquables évidemment ce dimanche après-midi dans ce bijou, dans cet écrin qu'est le stade Marcel Picot. Et puis merci bien entendu à l'ensemble des équipes de la Ligue Grand Est de football qui étaient mobilisées en ce dimanche de Pâques autour du maestro Giovanni Verna. Il y avait Simon et Fabio caméra bord terrain, enfin non, en haut du stade avec Julien Lotin en assistant réalisateur. Et puis en bas, il y avait Calogero Sarda et Tom Imbert, notre journaliste bord terrain. Merci encore à vous de votre présence, de votre confiance. Merci à FFF TV. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures footballistiques dans le Grand Est. Bye bye.